peut-être pouvoir m'entendre là maintenant. Eh oui, c'est moi. C'est les douze couilles. C'est les douze couilles de midi. Il est 17h03, je suis pas en retard. Je me prenais juste de quoi boire. Tranquillement. Eh oui, si j'ai une tête un peu dépitée, c'est parce que je suis très fatigué. Je ressors du boulot il y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 heures, mais je comate toujours en mode j'ai donné toute ma vie pour faire ce qu'on m'a demandé. Et du coup, hop, je vais laisser ça là, ça c'est bon. Hop, bah bonjour, bonjour aux personnes qui sont là en train d'attendre ce nouvel épisode sur Final Fantasy IX. On va reprendre là où on en était. Ok, Alistair, pas de soucis, de toute façon, je vais reprendre tranquillement là où on en était. De toute façon, je vous laisserai pas... Enfin, je ferai un petit résumé de ce qui s'est passé précédemment. Et si vous avez la moindre question sur l'histoire de Final Fantasy IX, n'hésitez pas à demander. Je serai ravi de répondre à vos questions. Parce que j'étais en train de relire même plusieurs critiques à côté, et c'est exactement ce que je pensais par rapport à l'univers du jeu. Et ils ont à peu près la même mentalité que moi sur l'écriture ouais, justement de ce Final Fantasy IX qui avance au fur et à mesure avec en même temps les personnages. Justement, et pas les personnages d'un côté puis l'histoire ou inversement. C'est vraiment homogène, ça avance vraiment tout bien en même temps. Et sur les différents thèmes, enfin sur le différent thème du coup du jeu, qui est la vie et la mort. Salut Mel, comment tu vas? Du coup sur le thème de la vie et de la mort sur Final Fantasy IX. Je reviendrai dessus un peu plus tard parce que c'est vraiment un point essentiel du jeu. Et pour ceux qui l'ont fait, justement, ils vont me dire « Ouais, mais il y a un truc qui se passe tout à la fin, on n'a pas compris pourquoi, etc. blablabla. » Eh bien, moi, je vous expliquerai mon ressenti sur cet élément-là. Mais on a large le temps. Ça va Mel. T'avais réalisé que tu avais un arbre géant derrière toi. En fait, tu vis chez Jean-Jacques. Oui, en fait, si tu veux, j'ai trois chats. J'ai trois chats. J'en ai une qui dort sur le canapé. Il y en a une qui doit... Ah non, elle est pas là. Enfin bref. C'est pas trop grave. Enfin oui, j'en ai trois. J'en ai une à poils longs, une noire et blanche. Où justement la cassure des couleurs au niveau de la truffe, enfin au niveau du museau, justement lui fait une moustache. Donc elle est noire au-dessus, puis avec le blanc ça fait hop. Puis j'ai la mienne qui est tigrée grise et blanche. Grise et blanche du coup. On va reprendre tranquillement. Salut Etienne, ça va? Tranquille, la life et tout, blablabla. Ouais, j'ai pas fait de super com ce matin. En fait, j'étais au boulot. Et je travaille aussi demain. Et du coup, c'était un peu le caca. Je suis complètement à l'ouest. Et voilà. Puis on va reprendre tranquillement. Et au fur et à mesure, je pense qu'il va... Le monde va venir de lui-même. Et du coup, sur l'atelier, alors je fais que t'écouter. Je mets... Mais je bosse, alors je peux pas lire. Bah, c'est pas grave. Tu vas écouter, justement. C'est bien. Je relirai pour toi. Salut Etienne, ça va? Ah mais ouais, non mais Etienne, tu sais, genre il y a le boulot, il va falloir reprendre Doska, il va falloir reprendre les activités à l'assaut, enfin que je bouge mon cul et retourne à Poitiers, enfin que je dépense du gasoil et tout ça pour pouvoir venir t'aider. Alors qu'il y a plein de gens qui habitent à côté de chez toi, mais bon, c'est pas grave. Ils vont laisser le moustachu dépenser son gasoil pour, pour t'aider. Ça fait deux émissions que tu as le... Ah, autant pour moi. Alors, il est où ce petit logo? Il est là.
Ah bah oui, c'est qu'il est en plein gros, ouais, il a complètement bien bougé en plus. Attends, je vais le remettre, autant pour moi, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Hop. Voilà. Hop, on va recentrer tout ça. Non, je sais pas, tu sais, il y avait des trucs. Ça. C'est un peu foiré. Moi, je peux pas aider, j'ai pas de poumons. J'ai pas compris pour la... C'est que t'es asthmatique et du coup tu peux pas venir bosser à l'atelier vu que c'est plein de poussière et de... Et d'acariens. C'est ça? Sinon, niveau voix et niveau son du jeu, ça va, y a pas de problème, c'est raisonnable. Y a pas de truc horripilant. Ah, ceci explique cela. Cool. Bah écoute. Eh bah écoutez, bah merci bien à vous bah d'animer le chat. De toute façon, on va attendre Alistair parce que Alistair, bah, il est en train de faire l'histoire. En même temps, il est en train de faire le FF9. Il a quoi? Il a quelques heures d'avance par rapport à moi. Et bah moi, je vais lui. Je suis sûr qu'il a loupé quelques trucs. Mais c'est pas grave. Il va pouvoir les refaire. Ce matin, en fait, j'étais au travail. Et il m'a envoyé un message, fait ouais, j'ai été tapé là et tout, j'ai été récupérer des trucs. Je fais ok, bah souci, bah, je fais t'avances, ok, j'ai l'avance, bah tu vois, il va retourner vite fait faire ce qu'il avait à faire. Parce que je suis sûr qu'il va avoir loupé plein de choses. Enfin, au moins une ou deux choses, quoi. Ça, c'est sûr. J'arrête d'animer, là je vais fixer des planches. Bah bon fixage de planches alors. Oui, du coup, ouais, bah là, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines là que le. Déconfinement a officiellement débuté. Sauf que je pense que comme la plupart des gens, je suis toujours en mode j'ai laissé la trace de mes fesses sur mon canapé et j'ai vraiment du mal à me remettre au travail, que ce soit le travail associatif ou au boulot tout court, même si je me force à aller à des missions d'intérim, c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Mais j'aimerais bien reprendre le projet de Skoï le mercenaire. Il va falloir que je fasse une petite émission, je sais pas, genre d'une heure, un soir à 20 h, un jour, dans une semaine, d'ici quelques semaines, pour faire le point, peut-être pour faire des appels, enfin bref, on verra, il y aura des trucs à faire. Oui, bah je sais, mais moi, franchement, moi je vais bosser là, je suis mort. Et puis, qu'est-ce que je fous dans mon patelin? J'habiterai à 5 minutes d'Imagilien, je serai là-bas tout le temps, t'en aurais marre de me voir, quoi. Donc, va pas te plaindre. Donc voilà, c'est plus parce que je suis bloqué géographiquement. Alors, du coup, pour le petit résumé, je suis dans la ville de Traîneau. Traîneau, c'est une ville de nobles. Et qui dit noble dit argent potentiellement des voleurs. Donc c'est une ville un peu malfamée. Vous voyez, il y a un clochard alcoolisé ici devant moi. On va pas lui parler, il me fait peur. Ouais, c'est surtout le rythme de travail, Étienne. Alors, s'il y avait une chose que j'avais pas faite avant. Et du coup, nous sommes à la recherche d'une aiguille platine. Alors vous me direz, mais c'est quoi une aiguille platine? Eh bien, l'aiguille platine, si vous avez regardé le premier épisode avec moi sur mon longplay, il y avait dans la forêt maudite s'est pétrifiée. En fait, elle a attaqué nos héros. Et elle a capturé vivante un de nos amis des Tantalas. Et maintenant, il faut aller le sauver tout simplement. Et c'est grâce à cet objet magique, l'aiguille platine, que nous allons le défiger dans cette forêt maudite. Alors, voilà. Donc là, j'avais des pierres stellaires que j'ai récupérées au cours des aventures, que je vais lui donner, elle va me donner de l'argent ou des objets très très intéressants. Les pierres stellaires, les par le monde. Vous avez le scorpion, voudriez-vous l'échanger contre l'un de mes trésors? Bon, je vais pas faire tout le dialogue parce que c'est. Vous avez cette pierre, blablabla. Donnez-la moi. Donc, qui dit pierre stellaire, il y a 12 constellations.
C'est ça, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, il y a 12 constellations. Et du coup, on a 12 pierres à récupérer dans le jeu. Et si je les ai tous, je dirais, y a un truc après derrière encore à faire. Ça va être une. Ça va être une quête annexe qui demande pas trop d'efforts, il faut juste un petit peu farfouiller un peu à droite à gauche. Mais c'est facilement trouvable dans le jeu. Bon, à part ça, le chat, comment ça va? Quoi, 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 ma domestique vous donnera une belle récompense. Un Résurex. Vous avez les gémeaux? Oui, je vais te les changer. Regardez-moi cette superbe animation. Et au fait, maintenant... quoi, 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 ma domestique vous donnera... Au fait, c'est une femme piaf qui a une domestique. Voilà. Une domestique humaine. Ouais, c'est le monde à l'envers. Normalement, c'est les humains, ils oppriment les autres peuples et tout ça. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est l'inverse. C'est parce que c'est le pouvoir de l'argent. Alors, du coup, qu'est-ce que... Ah, voilà. La sanguine, franchement, la sanguine. Là, au fait, il fallait au moins trouver 4-5 facilement pierres stellaires. Et la sanguine, ça va être une arme tellement stylée pour Stenner. Voilà, 5000 giles, oui! Et je crois que voilà, c'est tout ce qu'il y a à avoir ici. Donc comme vous avez pu le voir par rapport à l'épisode précédent, j'ai un petit peu XP. Et ça fait du bien. Et du coup, je vais pouvoir donner la ténébreuse à mon cher Steiner. Qui est une attaque... voilà, on va aller dans compétences et on va regarder ce que ça fait. Alors... Utiliser, donc ténébreuse, lance une attaque élémentaire ténèbre grâce à vos HP. Ok. Et trépan réduit la défense d'un adversaire. Ça, c'est très pratique. Et là, nous allons rejoindre du coup Batch, le chef des Tantalas. Avec Marcus pour aller dérober une aiguille platine. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là en train de regarder vos petits streams. Je suis très content. Voilà, je tenais à vous le dire. Avis de recherche, 100 000 giles à qui le capturera? Tout est prêt, on va aller chercher l'aiguille platine. Eh, hey, c'est bien, comme ça on pourra aller sauver Franck. Et alors, quand partons-nous? Le plus vite possible. Vous voulez venir avec moi? Voilà, je bois un coup de flotte. Non, je demandais... je disais simplement que j'étais content que vous soyez là. Princesse! Attends. Mince. Ah, princesse! Ah merde, j'arrive plus à faire. J'arrive plus à voir la voix de Schwarzy façon Mosinor. Ah, monde de merde. Le chef vous attend plus loin. Chef, c'est votre chef? Merci, il n'y a qu'une seule personne que j'appelle chef. Ah. Princesse, attendez un peu, princesse. D'ailleurs, une princesse comme vous ne devrait pas collaborer avec ces bandits. Si sa majesté, vient à la prendre. Ah. Hey, c'est la première fois que tu dérobes quelque chose à quelqu'un, pas vrai? Je dois vous surveiller pour que vous ne voliez pas n'importe quoi. Allez, on part. Ah, je vous raccompagne. Je dois vérifier que vous ne faites pas de mal à la princesse. La confiance règne. C'est vrai que t'es un vassal fidèle, mais je doute que tu aies déjà réfléchi à ce que tu voulais vraiment faire. Et retenez bien un petit peu, retenez bien ce texte que Batch vient de balancer à Steiner, parce que ça va être, comment dire,
Ça va être la raison principale, le raisonnement. Non, pas le raisonnement, la remise en question principale de Steiner, justement qui est un capitaine, comme il dit, fidèle au royaume d'Alexandrie, notamment à la reine et à la princesse, mais qu'en dehors de sa fonction, de chevalier, en dehors de ça, il n'est rien d'autre en fait. Et du coup, là, ça va commencer à partir de là, son raisonnement et sa remise en question. Ah, tu oses te moquer du capitaine des Brutos ? Moi j'adore, j'ai ordre de ramener la princesse. Je pensais que tu changerais un peu après avoir passé pas mal de temps avec Zidane. Eh oui. T'as tout juste bon à suivre les ordres. T'as jamais agi de toi-même, pas vrai ? Ah, comment oses-tu me dire ? Arrêtez, Steiner, c'est assez. Allez, on y va. Allez. Oui, parce que Zidane, alors je me suis déjà répété aussi dans les précédentes émissions, mais Zidane, il a complètement un caractère, mais vraiment à l'opposé de ce qu'on a pu retrouver avec Cloud et Squall de FF7 et de FF8. Du coup, on va prendre le thème de la vie et de la mort, mais Zidane, il incarne la vie. C'est un mec, il est jovial, il est joyeux, c'est lui qui va te remonter le moral, etc. À chaque moment, enfin à chaque coup dur, quoi, il est toujours là. C'est pas le Cloud ou le Squall, justement, qui était vraiment taciturne en mode... je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, et c'est un total rapport avec ce que Batch vient de dire, justement, comme quoi il s'aperçoit que Steiner, il a pas du tout changé, même en ayant fréquenté justement Zidane. Gamji. Donc voilà. Alors, Blue Messia vous a plu ? Alors la musique de Kuja est tellement... Tu sens un petit peu le côté diabolique. Le méchant. C'est un peu ça en fait, tu l'as dans la tête. Mais avec une certaine classe, tu vois, genre la noblesse d'être un méchant, tu vois. C'était assez bien. J'aurais préféré que les rimpuants et cette horrible femme ne s'offrissent pas à ma vue. Leur existence ne correspond pas à mon sens esthétique. Cela a dû vous ennuyer. La prochaine fois, ce sera une chasse au rat du désert. Quoique je veuille rester encore longtemps dans cette belle ville pour effacer leur aideur. Vous partez pour Clara, alors? Ah oui! Oui, je vous prendrai ce dont je vous avais parlé. Bien, je vais vous le préparer. À propos, il y a une jolie cliente aujourd'hui, vous l'avez remarqué? Une jolie cliente? Cette dame vous a plu? Oh oui, elle m'a beaucoup plu. L'oisillon que j'ai poursuivi est entré de lui-même dans la cage. Alors j'aime bien toutes les allusions qu'il y a justement au... À la pièce de théâtre Je veux être ton oisillon, qui est la première scène de théâtre que, au fait, la troupe des temps de Thalas joue justement pour pouvoir kidnapper la princesse. J'avais pas prévu de pouvoir la rencontrer dans cet endroit. Est-ce cela qu'on appelle le destin? Mais il n'est pas encore temps que tu replies tes ailes. Il faudra vraiment le faire. Moi, mais avec une voix aiguë. Et moi, j'ai pas trop ça, en fait. J'ai pas une voix sensuelle. Parce qu'en fait, tu vois, c'est un beau gosse et tout. Tu vois, il a dit en string et tout ça. Donc, voilà. Ton nid n'est pas ici. Rentre à ton vrai nid où ta mère t'attend. Et la coupure. Moi aussi, je t'accueillerai cordialement. Oui, donc tout ce que je disais avant, donc là il y a une petite scène justement avec le méchant, voilà, comme ça, tu vois, la première fois que tu vois cette scène là, tu te dis, attends, je vais mettre pause parce que le texte il va défiler sans que je puisse appuyer, tu te dis, ah merde, le méchant a remarqué la princesse, elle va être dans la merde, voilà. Et du coup, là on revient sur le Steiner et sur son état d'âme, voilà. Mais, qu'est-ce que je fais ici? Je suis allé jusqu'à me ranger aux côtés d'une bande de voleurs. Non, Edouard Adelbert Steiner,
tu dois rester calme. Protéger la princesse et la ramener à Alexandrie, telle est ta mission. J'aime bien comment il se parle à lui-même, tu vois, c'est énorme. Comment sa majesté pourrait-elle se tromper? Il s'agit maintenant d'une affaire très importante, je crois. Ne suis-je qu'un pantin? Mais non, ce n'est pas possible. Je suis trop bête pour comprendre sa majesté. Voilà à quel point, en fait, il se rabaisse. Il est vraiment à sa place, quoi. Genre, la princesse a sa fonction ou la reine a sa fonction. Et du coup, vu que c'est la reine, elle a un statut de genre de divinité, presque. Genre, vu que c'est la chef des armées. Vu que Aldébert, c'est qu'un simple garde du corps, entre guillemets, il ne remet en aucun cas... en cause justement les décisions de la reine Branette, même si c'est une méchante. Les méchants. Je ne dois pas croire ce que disent ces maudits bandits. Tout ce que je dois faire, c'est protéger la princesse et la ramener à Alexandrie. Je ne le reverrai plus jamais. Oui. Ah mince, là c'est c'est Grena qui parle, donc je vais arrêter de faire ma voix, la voix de, mince, comment il s'appelle, dans les Simpsons, la parodie de Chanty. Tout ça c'est de la faute de Dylan, c'est parce qu'il m'a traité comme une enfant. Mais oui, là donc du coup à la fin du dernier épisode, je disais que justement que la princesse Grena, Daga du coup, fuyait. Justement, l'Embloom qu'elle avait tant fait pour rejoindre cette ville-là, en fait, elle avait échappé, pour revenir à Alexandrie, parce qu'elle voit que la situation dégénère, et elle veut s'investir dans cette situation de crise mondiale, on va dire, et tout le monde la met de côté, parce que, voilà, elle la considère tous comme une enfant, c'est une princesse, tu n'as pas à t'occuper des préoccupations des pays, etc., de la politique, etc. Donc toi, tu restes à ta place, tu la fermes, sois belle, tais-toi et ne bouge pas, quoi. En gros, c'est ça. Sauf qu'elle, elle décide autrement. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans le personnage de Daga. D'ailleurs, c'est la seule chose qui est intéressante chez ce personnage-là, parce que en dehors de ça, c'est vrai que niveau charisme, elle n'est pas à la hauteur des autres personnages que l'on incarnera un peu plus tard. Mais elle a quand même sa petite thématique, elle a quand même ses états d'âme et qui est vachement intéressante et qui est vachement bien ancrée et bien trouvée, bien écrite dans l'histoire de Final Fantasy IX. C'est à cause de ça que je dois chercher des aiguilles platines dans un endroit aussi terrible. C'est ça. Comment ai-je pu dire une chose pareille pour sauver Vrank, parce qu'il m'a sauvé? Oui, tout à fait. Je dois sauver celui qui m'a sauvé. Rien n'est plus naturel. Mais je n'y avais encore jamais pensé. Ah, Dieu est sûr qu'il y a une aiguille platine dans un endroit pareil. Arrêtez de grogner, contentez-vous de chercher. Tiens. Voilà quelqu'un. Quand la lune rouge est comme ce soir, c'est une belle occasion pour l'observation. Il n'y a plus d'encre. Où j'ai pu en mettre? Que faites-vous? Attendez! Chut. Princesse, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Quoi? Mais c'est bien vrai. Comment allez-vous, maître Toto? Princesse Grena. Quoi, c'est maître Dodo? Je délire tout seul avec mes dialogues, je suis désolé. C'est fatigue, là, j'en peux plus. Mais qui c'est? Maître Dodo est un grand savant. Il était le précepteur de la princesse. Ah, c'est vous, Steiner. Voulez-vous parler moins fort? Votre voix réveillerait les vendeurs en sursaut. Dites-moi, princesse. Qu'est-ce qui vous amène à Tréno? Ce n'est pas une histoire simple. Après bien des aventures compliquées, nous cherchons une aiguille platine. Ah, ne pensez pas que nous vous amusions à voler. Nous n'avons pas le choix. Y a quelqu'un? Retirez-vous pour le moment. Je vous donnerai une aiguille platine après. Non, là, c'est plus la voix d'un méchant. Lui, c'est un savant, donc il faut lui faire une voix un peu plus calme.
Prenez la rue sur la gauche après l'entrée de Traîneau. Suivez la galerie jusqu'au bout. Vous arriverez à une grande tour. J'habite dans cette tour. Je laisserai la porte ouverte. Venez me voir quand vous voudrez. Bien, maître. Nous y allons. Maître Toto, je vous remercie. À tout à l'heure. Oh, c'est vous, maître Toto. Excusez-moi de vous avoir surpris. J'aurai une bouteille d'encre, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. Si vous cassiez des marchandises, le patron me donnera des coups. Vive le patriarcat dans les Final Fantasy. Princesse. Le patriarcat, qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je raconte comme connerie. Vive le patronat, pardon, excusez-moi. Alors, tu dis qu'un certain Popo nous filerait une aiguille platine? C'est pas Popo, chef, il s'appelle Toto. Atcha! C'est éternu. Toto ou Popo, ça m'est égal. Je pensais pas qu'on devrait demander de l'aide de quelqu'un. Mais bon, on sera au service de la princesse pour un bon moment. On n'en finit pas. C'est sûrement grâce à la princesse. Qui donnerait une aiguille platine à un minable comme toi? Princesse, vous nous guidez jusqu'à chez Titi pour récupérer une aiguille platine, compris? C'est Toto, chef. Je dois y aller de toute façon. C'est la même chose, patriarcat et patronat. Patriarcat, c'est pas... Ouais, j'en sais rien, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Trop compliqué pour moi, j'ai pas envie de réfléchir. Laissez tomber, là, on est pas... Là, on réfléchit sur Final Fantasy, pas sur l'étymologie des mots. Voilà. Arrête d'utiliser des mots que tu connais pas. Oui, je sais, je suis désolé, monsieur. Donc là, on va aller chez Maître Toto. Maître Canter. Équipement. Peut-être voir si je peux pas me faire un peu plus de avant de partir. Désolé, hein, j'ai complètement zappé de... Je vais juste regarder ce que je peux faire au niveau de la forge. Parce que j'ai pas du tout vérifié ce que je pouvais faire. Et c'est surtout, c'est que là, moi je sais ce qui se passe ensuite et je vais avoir besoin d'équipement. Tout bêtement. Robe de coton, ouais, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose. Boucle pion. Ah, j'en ai pas du tout de ça. Je vais en mettre une au cas où. Salut Astarion, ça va, tranquille la life. On n'est pas là pour réfléchir, mais quand est-ce que c'est le moment pour toi, Tony? moi je parle avant et ensuite je réfléchis à aux conneries que je dis. Et si je vois qu'il n'y a pas de solution, bah je dis ce genre de phrase toute faite, on n'est pas là, c'est pas là pour réfléchir. Bah écoute, bah moi aussi ça va, tu vois, là je suis en train de, bah, de préparer, je suis en train de forger des petits trucs pour mon équipe. Et voilà, je pense que ça devrait suffire. Chaîne d'or, armure de lin, défigeant. Oh, je pense que ça devrait être pas mal. Là on est bon, là on est bon. Et oui, donc là, je sais pas. Je dois juste recommencer le jeu level 1, car un de mes persos... Car mes persos sont level... Il y a un de mes persos qui est level 2. Comment ça, t'as un de tes personnages... Comment t'as fait pour être level 2 avec un perso? Ah, je fais... Ah, ok. Ça va, c'est pas galère, je sais pas du tout. Ça m'a jamais venu à l'esprit de faire des runs comme ça, genre level 1.
Ah oui, bah tu m'étonnes, parce qu'il y a des boss, mon pote. Level 1, il te one-shot, quoi. Hein? Je suis un ogre et je vous regarde de très haut. Et oui, c'est nous les nobles de traîneau. Oui, de traîneau. On vous regarde de bien tout en haut. Oh, Pointed! J'espère que cette ruine ne vous gênera pas. Ah, bah oui, là du coup, t'es obligé de jouer pour faire le run avec les. Avec les. Comment ça s'appelle les états, quoi. Le problème, c'est le début. Une certaine partie du. Ah, bah ouais, tu m'étonnes parce que. Ah, ouais. Ah, du coup, vu que tu XP pas. Vu que tu XP pas. Tu peux pas augmenter les compétences. Et du coup, tu peux pas les garder. Donc, t'es obligé tout le temps d'avoir des pièces d'équipement avec. Et du coup, tu fais comment pour le pognon? Pour acheter les pièces d'équipement si tu fais pas d'XP. Maître Toto, est-ce que vous habitiez dans cette tour depuis longtemps? Après avoir quitté Alexandrie, j'ai erré d'une ville à l'autre en cherchant un mécène. Attends, on devrait faire pareil, on devrait quitter Poitiers et chercher un mécène. Et finalement, je suis arrivé à Traîneau. Et on va déménager tous à Traîneau. Vous êtes devenue très belle, princesse. Je suis vraiment heureux de vous revoir. Ah, maître Dodo, je suis très heureux de vous revoir en pleine forme. Ah. Oui, c'est vrai, le capitaine Stenner est avec vous. Ah oui, ok, tu peux monter les compétences, mais tu gagnes 0 pognon en stoppant la cible. C'est pour ça que le vol est vital. Ok. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ok, ça j'ai refait les Final Fantasy, mais j'ai jamais fait de run en mode level 1, quoi. C'est vrai que tu dois bien te... Tu dois quasiment enregistrer tout à chaque combat, quoi. Si tu veux pas te foirer. Parce que la moindre erreur, c'est pas évident. Oui, c'est vrai. Ah, aidé d'un acte indigne d'un chevalier. J'ai horriblement honte. Vous n'avez pas changé, capitaine. J'imagine que vous n'avez pas le choix. Je ne vous donne pas. Je vous demande pas pourquoi, donc. Vous avez préparé une aiguille platine. Elle est à vous. Prenez-la. Alors, on la prend. Ah, du bruit. Au moins, remercie mes drôles d'auto. Ce n'est pas grave, capitaine Steiner. Maître Toto, c'est une erreur à se faire. Attends, hop. La seule erreur que j'ai fait, c'est mettre un level up à Franck. C'est ce qui a niqué ma run, car mon level, son level est influencé par un autre perso. Ah ouais, ok. Ok, bah ça tu... Non mais là tu m'apprends... carrément des choses parce que le système de run je connais pas. Oui c'est spoiler pour les autres. Moi je l'ai déjà fait une bonne quinzaine de fois, je l'ai. Exactement, elle représente notre belle planète. Un jour, vous m'avez donné un cours sur la sphère. C'est vrai, princesse. Vous en souvenez encore? En lisant des chroniques vieilles de 500 ans, j'ai rencontré deux termes qui ont fortement attiré mon attention. L'un est perle, et l'autre est invoqueur. Pas invoqueur, invoqueur. Parce qu'il y a un K à la place... enfin, bref. Les invoqueurs. Cependant, ces deux termes ne sont plus utilisés dans les chroniques postérieures. D'après l'archéologue Frédéric Haik, le terme de perle désigne le pendentif que reçoit l'héritier de la couronne d'Alexandrie. Cependant, vu sa forme, peut-on vraiment parler de perle? Il existe aussi plein d'études intéressantes sur les rapports entre les pierres et les chimères. Maître Toto,
Et oui, nous sommes 8 actuellement sur le stream Final Fantasy avec Doskoï le streamer. Doskoï, vous l'avez bien compris, c'est moi, la moustache c'est moi. Et Final Fantasy, c'est le jeu que vous voyez en arrière-plan. Voilà. Et nous sommes en train de... nous avons récupéré l'aiguille platine et nous avons retrouvé une vieille connaissance de Daga, aka la princesse Grena. Et nous en savons on a un petit flashback avec la princesse et maître Toto. Et Toto était dans ses réflexions sur les connaissances du monde. Voilà, tout simplement. Salut Alistair. Ah bah enfin, c'est bien tout ça. Ah, princesse. Vous lisez toujours des livres aussi compliqués? J'ai lu presque tous les livres de cette bibliothèque. Dans un endroit aussi tranquille, je peux donner forme à mes idées. Ah bon? Moi, j'aime pas trop les livres difficiles. En tant que princesse d'Alexandrie, vous avez besoin d'un minimum de connaissances dans divers domaines. Bien, ce livre-là m'a beaucoup plu. Quel est son titre déjà? Je vais être ton oisillon de Sir Haven, c'est ça? Je relisais ma lettre de présentation pour l'éditeur. C'était relativement important. Ah, ok. Est-ce que tu veux faire quoi, du coup? Oui, c'est ça, maître. Je ne m'ennuie jamais avec ce livre. Il est si romantique et si noble. Dites-moi, maître, qu'est-ce que c'est? C'est une érasphère. Cela représente notre planète. Érasphère, nous habitons un château aussi rond? Nous ne sommes pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Elle comprend rien parce que c'est une gamine de 6 ans, tu vois. C'est normal. Moi, je serais arrivé à 6 ans dans un cours de 3e. J'aurais fait, qu'est-ce que vous me chantez là? Une théorie veut que chaque étoile ait sa propre force et sa propre vie. Elle est à l'origine de la vision fantastique de la relation entre les pierres et les chimères. Ah! Bon courage à toi. Et du coup, j'ai pas eu le temps de m'attarder trop sur le petit speech qu'il a dit avant Maître Toto sur les connaissances scientifiques du monde, enfin de l'univers de Final Fantasy IX. Mais la Erasphère, en fait, c'est un monde, voilà, et il dit que les étoiles ont une énergie interne, etc. Sauf que ces énergies-là, c'est tout simplement le cristal, parce que chaque univers dans Final Fantasy, vous avez remarqué, en fait, il y a un cristal, et c'est le cristal du logo, en fait, si vous voulez, de Final Fantasy IX, en tout cas pour la Erasphère. Mais dans les univers de Final Fantasy, en tout cas pour les premiers, il y avait toujours cette histoire de cristal qui était l'énergie vitale de la planète. Et là, on est vraiment en plein dedans avec ce retour aux sources de Final Fantasy IX. Mais là, du coup, ce cristal-là, il a vraiment pour but d'être le noyau énergétique de la planète. C'est celui qui donne de la vie, qui crée la vie sur la planète, etc. Cette relation doit donc être... Excusez-moi, princesse. C'est une de mes mauvaises manies. Ne vous excusez pas, maître. Dites-moi, maître, elle est où ma chambre? Votre chambre est un peu trop petite pour la localiser sur ce globe. Le château d'Alexandrie, alors? Lui, nous devrions pouvoir le trouver, et puis blablabla. Cela fait 8 ans déjà. Quel temps passe vite. Je suis toujours un pauvre savant qui collectionne des déchets de ce type-là. Comment avez-vous trouvé cette Erasphère? Elle est très vieille, elle est abîmée comme vous le remarquez. Mais elle est encore pratique pour mes recherches astronomiques. Observer les étoiles depuis Hera est une chose vraiment fantastique. Oui, maître. Écoutez, princesse. Je sais bien que ça ne me regarde pas, mais... Je suis toujours prêt à donner le meilleur de moi-même pour vous, princesse. Vous avez des ennuis? Venez me voir. Je vous aiderai dans la mesure de mes pauvres moyens. Maître Toto. Bien sûr, je vois ce que c'est. Sa Majesté est allée jusqu'à là... J'ai compris. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de danger en chemin, mais je dois vous ramener à Alexandrie. Mais par quelle route pouvons-nous y retourner?
J'avais prévu cet événement, princesse. Vous pourrez aller à Alexandrie par une vieille route. Venez par ici. Ah ? Enfin, nous retournerons à notre grand royaume d'Alexandrie. Ah, j'aime bien faire Rochtener en fait, je le maîtrise plutôt bien ça. Je pars pour Alexandrie moi aussi. Pourquoi tu nous suis ? Alexandrie me va bien pour aller libérer Franck. Bien, on y va donc ensemble. Vous êtes d'accord, Steiner ? Je souhaite que Franck et Mère guérissent. Non, je pense pas, non. Non. J'aurai pas le temps. T'as pris beaucoup d'avance, donc ça va. Non, je m'arrêterai avant. Je m'arrêterai légèrement avant, je pense. Parce que là, ça va faire déjà 3/4 d'heure que je suis en stream, donc tu pourras rester jusqu'à la fin. Voilà, exactement. Voici la route de la Gorgogne. Elle relie Alexandrie et Tréno depuis toujours. Et pourquoi on l'a construite sous une tour ? Elle est utilisée depuis l'Antiquité, à l'époque de... Une époque où les aéronefs étaient inconnus. Elle n'a pas été construite sous une tour. La tour a été construite au-dessus d'elle. Pourtant, tout cela a l'air si récent. J'ai conseillé au chef de la famille du fou de la restaurer. Elle n'a pas été utilisée depuis. Il a fallu atteler une gorgogne et l'enfermer à l'intérieur. Et le levier de contrôle est... Où est-il déjà ? Ah, je ne suis pas sûr de tout comprendre pour l'instant. Nous devons trouver ce levier, c'est bien ça ? Allons-y, princesse. J'ai sacrifié ma matinée de dessin pour avancer sur FF avant le live. Oh, c'est mignon ! C'est un beau Yorkmout. Comme dirait ma chérie. Mogovski. Donnez la lettre à Mogovski. Lettre de Nazuna à Mogovski. Glimo m'a écrit une lettre de la gare de Bodend à la porte sud. Il me dit « Hier, j'ai appris que Marie était tombée amoureuse d'un autre. Pauvre Glimo, il aurait au moins pris conscience de son amour pour Marie. Qu'est-ce que t'en penses ?» Je ne savais pas que Nazuna n'appréciait pas Glimo. Ok, bon, hop, j'ai pas besoin de sauvegarder là. On va aller là. Mais je vais dessiner maintenant, du coup. Rattrape-toi bien, ouais. Un obèse. Ouais, par contre, j'ai un truc que je vais faire avant. Désolé, mon pauvre, mais tu vas prendre cher. Alors, pourquoi vous me diriez-vous, pourquoi est-ce que tu lui enlèves tout l'équipement ? Eh bah, ben, c'est un personnage secondaire, et au bout d'un moment arrivé dans l'histoire, en fait, je ne l'aurai plus jamais. Donc, autant récupérer son équipement maintenant. Enfin, on va le revoir dans l'histoire, mais il sera plus dans mon équipe jouable. Et oui, une petite sieste pour récupérer tous mes points magiques. Et tous mes points de vie. Boum 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 boum. Non, c'est pas ça. Ça, ça sert à rien. Mais ça passe à rien. Oh, le voilà! C'est ici qu'il faut attraper la gorgogne. Attraper la gorgogne? Oui, c'est un arrêt. Cet arrêt est un gigantesque rond-point. Quand vous aurez tiré sur cette poignée, une gorgogne commencera à en faire le tour. Un rond-point et une gorgogne, je ne comprends pas très bien. Alors. Non, c'est bon pourtant. Vous expliquer, ce serait bien trop long. Tirez sur la poignée. Bah, on va tirer sur la poignée.
Hein? Qu'est-ce que c'est? Elle est parfaitement à l'heure. C'est une gorgogne. Cet insecte géant se déplace le long des racines. Et nous avons ajouté une nacelle. Mais si nous ne la rentrons pas... Comment est-ce qu'on fait? C'est ça, vous avez trouvé le bouton. Le truc, ce méga complexe, c'est le métro. C'est le métro de l'ancien temps. Vous apprivoisez un insecte géant, vous lui mettez une nacelle. Et puis, vous lui donnez à bouffer pour à chaque arrêt, quoi. Pour pouvoir l'arrêter. Dépêchez-vous, elle repartira dès qu'elle aura fini de manger. Est-ce vraiment sans danger? La gorgogne ne va-t-elle pas recommencer à tourner en rond? Cette fois-ci, je vais la diriger afin qu'elle sorte du rond-point. Capitaine Steiner, je vous confie la princesse. Eh oui, agondez sur moi. Vraiment, la princesse a bien grandi, mais elle est encore jeune. Capitaine Steiner, faites ce qu'il faut pour la protéger. Ah, je ne suis qu'un chevalier. Ah, je vivrai de mon mieux. Que voulez-vous dire? Comprenez, Capitaine Steiner. Je demande juste de la protéger à tout prix. C'est au-dessus de mes moyens. Ah, je m'en souviendrai. Princesse, le moment est venu de nous séparer. Maître Toto, au revoir. Au revoir, Maître Toto, au revoir. Au revoir. Dépêchons. Hop là, ouais. Il faut tirer ceci. Au revoir, princesse. Au revoir. Au revoir. Ils sont fous. Ouais, ouais, toujours du monde, et on est 8 sur le trim. Ouais, c'est bien, c'est cool. Voilà, on est parti. Je rentre à Alexandrie. Alexandrie, Alexandra. Nanana, et oui, oh oui. On voit déjà plus d'où on est venu. Combien de temps va-t-il finir fois le voir? Je n'aurais jamais imaginé rentrer avec un tel véhicule. 8, ça fait 8. Il faut reconnaître que Maître Toto est un peu étrange. Que se passe-t-il? On dirait que quelque chose l'effraie. Et oui, puis qu'on aura atteint le chiffre 9, ça aura fait sens, parce que 9, c'est le chiffre... du jeu de la série de Final Fantasy auquel je suis en train de jouer. 9, c'est aussi l'âge à laquelle j'ai découvert ce tout premier Final Fantasy. 9, ce sera le nombre de viewers actuellement sur le stream. On peut partir loin quand c'est comme ça. Hop là, hop là. Voilà. Il n'y a pas grand chose, c'est pas grave. Ah, princesse? C'est à cause de ça. Baiser du câble. Ça on verra ça plus tard. Je vais juste attaquer normal. J'ai volé un os mulet. J'aurais même pas besoin de me soigner avec Steiner parce qu'en fait la sanguine en fait c'est une attaque en fait qui récupère l'HP. Enfin qui récupère simplement de la vie en fait. Baiser du diable.
Magie. Contre poison. Marcus. Vol raté. Bah en fait si tu veux la sanguine, il aurait fallu que tu récupères minimum 4 pierres stellaires ou 5 pierres stellaires, je sais plus. Et la nénette te le donne en fait, tout simplement. Par contre, ce qui est un peu bête, c'est que quand tu vas vouloir y revenir, t'auras tellement XP que cette arme va devenir un peu obsolète. Est-ce que je vais voler... Alors attendez, je vais faire comme d'habitude. Juste le mode rapide. Vol raté. Voler mitraite, c'est bon, j'ai volé ce que je voulais. Tu as une pierre à Dali, à traîneau, une à Blue Messia, une à la caverne. Pour ceux accessibles à ton niveau. Oui, c'est ça. Attends. Tu en as deux à traîneau normalement. Ouais, c'est ça. Une à Dali, deux à traîneau, une à Blue Messia, une à caverne. C'est ça, c'est exactement ça. Eh, mais en plus, si tu sais pas, sauf que, je l'ai déjà dit cette anecdote, mais je sais pas si tu l'as entendu. Mais en fait, si tu veux, j'ai le guide officiel. Je l'ai reçu, je devais avoir une petite dizaine d'années. C'est un témoin de Jéhovah qui me l'a donné. Donc, du coup, j'ai toute ma pile de bouquins là. Bon, attends, je vais t'enlever ça. J'ai aussi le guide officiel du 8. J'ai le guide officiel de Crisis Core, de la Clean Returns, la deuxième réédition de FF10 et FF10-2, celui de Kingdom Hearts 2, 2-13-2. Voilà, ça c'est c'est en général les guides officiels que j'ai actuellement. Voilà, je suis très content de les avoir. Voilà, c'est des belles pièces pour ma petite collection personnelle. Je suis très très content. Mais voilà, plus après tous les bouquins que j'ai en général sur Final Fantasy. Oui, mais il faut que je retourne à traîneau pour ça. Par contre, ça y est, j'ai corrigé mon erreur et j'ai forgé des trucs cette fois. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien, en fait, c'est important. En fait, ça va au fur et à mesure, ça pourra. Au lieu que tes personnages soient en retard pour avoir telle ou telle compétence. Par exemple, je sais pas, tu vois, t'as vu le boss là, que je suis en train d'affronter actuellement. En fait, il t'inflige des dégâts poison et normalement, j'aurais dû activer Mithridate. Et toutes les attaques poison n'auraient pas fonctionné, tu vois. Ah oui, oui, bah là c'est bon. Hein. Là t'es large, hein. T'es large pour une bonne partie de l'histoire. Hein. On va faire la ténébreuse. Baiser du diable. Ah, il va mourir comme une vieille merde. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est un personnage qui ne sert pas vraiment à grand chose. Même si je l'aime beaucoup, je l'apprécie vraiment énormément beaucoup. Ah, ouais. Ah ouais, elle était plutôt pas mal cette attaque, mine de rien. J'ai bien fait d'avoir, comment ça s'appelle, la sanguine, tout simplement. Ouais, bah oui. Ah, on est arrivé. La gorgogne a l'air épuisée. Je ne savais pas qu'il y avait un endroit pareil à Alexandrie. Ça, c'est... Alors là, à chaque fois, c'est même la première fois... Alors, je vais peut-être abuser, mais on va dire quand j'avais à peu près l'âge de comprendre, je sais pas, vers 13-14 ans, où je commençais
à avoir des petits signes d'intelligence, tu vois. Je me suis posé une question. C'est un chevalier, il doit protéger le château. Comment ça se fait qu'il ne connaît pas lui-même les endroits où des gens pourraient infiltrer le château? Il devrait connaître normalement ces endroits. Et là, il te sort au calme, au KLM. Tu vois, genre, on va parler de James, au KLM. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un endroit pareil à Alexandrie. Ah, mais what the fuck, quoi. Ah non, mais clairement. Je veux dire, où on est? Nous verrons bien, allons-y. Là, vous la sentez là, l'ambiance pesante? Vous la sentez là, la grosse connerie qui va arriver? C'est vraiment Alexandrie, easy. Ah non, mais c'est une grosse blague ce perso, mais il adore, enfin moi je le kiffe quoi. Au début tu vois, il est vraiment en mode « Eh putain princesse, princesse, et où allez-vous? Mais pourquoi est-ce que vous parlez à ces malandrins ?» Il a 9 clampins, il est moins fort que les bouffons de la reine. Ouais, non je dirais pas qu'il est moins fort que les bouffons de la reine. Ça dépend comment tu l'entraînes aussi, Steiner. Hein. Mais non, il est pas moins fort. Disons qu'il est moins dans les papiers de la reine. Lui, son rôle, c'est protecteur. Tu sais, t'as la reine Branette dit, hey, regardez, dans la ville d'Alexandrie, il y a un mec qui complote contre moi. Elle envoie Steiner, il va lui bousiller sa race, quoi. Évite de spoiler les trucs, s'il te plaît, dans le chat pour ceux qui l'ont pas fait. Juste ça, voilà. Parce que du coup, je voulais garder la surprise. Et oui, c'est vraiment Alexandrie, ça. Ah, tu ne vois pas, c'est bourdant évident. Je veux dire, par où on sort? Asa. Non, tu t'as juste dit que, en fait, si tu veux, bah, maintenant, les bouffons, en fait, vont être... c'est un boss, en fait, tout simplement. Ah, par là. Vide. Vide, princesse. Dépêchons-nous. Attendez, Steiner. Je reconnais cet endroit. Maître Toto m'en a parlé. Les anciens rois d'Alexandrie l'avaient construit pour empêcher les invasions. Je suis sûr qu'il avait parlé d'autre chose. Ah, princesse, vous aurez d'où le temps de nous raconter ces histoires plus tard. Il ne faut pas rester trop longtemps dans un endroit aussi humide. C'est mauvais pour la santé. C'est vrai, je veux dire, on doit aller délivrer Franck. Vous avez raison. Allons à son secours. En avant, je t'énerve. Bim, allez. Mais que se passe-t-il? Ah! Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Mais j'ai rien fait, je veux dire, arrêtez de m'accuser comme ça, quoi. Ah, vraiment, tu n'as vraiment touché à rien. Vous me croyez pas? Et ben voilà. Et voilà, on discute et maintenant, on est coincé. Et ben voilà. Bravo. Bravo. Bravo, je t'ai. Non, mais t'es là, putain. T'es, en fait, t'es en train de gueuler. Pourquoi tu fais ça? Et ben, c'est pour les besoins du scénario. C'est pour les besoins du scénario que je suis aussi con. Moi, Albert, Capitaine Steiner. Ah, bon temps. Ah, nous avons eu. Voilà une bien belle vue. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Bah bravo, Nils. Bill, face. Ah, Bill, face. C'est moi, Steiner, le capitaine de Brutus. Nous sommes revenus. Ouvrez ce truc immédiatement. Nous n'avons pas de raison de le faire. Je dirais même qu'il va vous falloir vous y faire. Pile. Face. Je suis revenu à Alexandrie pour parler à la reine, ma mère. Et ma mère. Cessez vos farces et conduisez-moi à elle. Même si vous n'aviez pas envie, vous auriez vu la reine Branette. C'est la reine qui a ordonné. Capturez la princesse Grena. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ben voilà, où nous en sommes actuellement. Et nous retrouverons parallèlement Badidan, tout simplement. Freya, tu peux te lever?
Je dois encore en être capable. Oui, qui s'était fait défoncer la rondelle par la générale Béatrix. Alors, en français, c'est Beat. Beat, Beat, je sais pas comment on le prononce. Donc, pour être sûr, je vais l'appeler Béatrix. Que je trouve qu'il est vraiment un personnage fort. Fort en tout. Force pas, surtout. Bibi, ça va ? Ça va. Ils sont partis pour Cléra. Qu'est-ce qu'on fait ? On les suit ? Bien sûr, je dois aller là-bas. C'est bien ce que je pensais. Et toi, Bibi, tu viens aussi ? Si je viens avec vous, j'apprendrai des choses sur les mages noirs ? On apprendra sûrement quelque chose en suivant Branette et ce Cujat. Cujat. Alors, je viens. Cléra, c'est appétissant comme nom, c'est sûr. C'est sûrement bien, miam. Hé, hey, Mzel Daga. Non, allez, t'inquiète pas. Je l'oublie pas. Elle est pas venue avec nous, mais on la retrouvera sûrement. On est parti. On dit que qu'elle est dans le désert à l'ouest de Blumessia. Mais pour nous, t'inquiète pas, on verra bien sur place. Effectivement, mes persos ont un peu de retard. Alors, équipement. Alors, lui, c'est bon. Je vais pouvoir lui mettre l'Organix. Ça m'a l'air d'être bon. On va lui mettre ça. L'Elarstron. On va lui mettre le Aubert. Donc là, on va lui laisser Foudre Canne. Quoique maintenant, tu vois, j'ai les trois. Donc, ça va être tranquille. Par contre, quand... J'arrêterai le stream. Je vais partir tout de suite XP pour monter toutes les compétences tranquillement. Comme ça, quand j'avancerai avec vous, je pourrai changer directement d'équipement au fur et à mesure que l'histoire avancera. Voilà le robot. Le chapeau pointu. Les mages, bien. Du coup, on va peut-être lui mettre la... Ah, bah tiens. Ah, mais là, j'ai pas besoin de ça. Si, je vais quand même lui apprendre ça. Pour l'instant, c'est pas... On va lui apprendre tout doux. Et puis, on va en profiter pour lui apprendre auto-potion aussi, surtout. Moi, je maintiens Foudre Canne, Tricorne. Barrette, ça fait le café. Canne de glace, pardon. Oui, non, mais oui. Clairement, là, on va être tranquille. Hein. Dragon Killer, j'ai pas fini de la prendre. Ça non plus, j'ai pas fini de la prendre. Ça. Ça, je peux pas changer. Ça, je peux pas changer. Qu'est-ce que je peux lui apprendre, du coup, à elle ? À elle. Si, tiens, je vais lui donner le diadème. Je vais lui donner le diadème, comme ça elle aura compétence plus. Elle aura compétence plus et ça va me permettre de monter plus vite. Du coup, je vais pouvoir lui donner une mitraite. Oui, du coup, c'est l'objet. Alors, je suis désolé, je passe un petit peu de temps à peaufiner sur le... Comment ça s'appelle ? Tu veux une technique pour farm les dragons à ton niveau ? Alors là, je les farm pas à ce niveau-là, moi. Je les farm un peu après. Voilà, simplement. Je les forme un peu après, comme ça je suis tranquille. J'ai pas vraiment besoin. Mais si tu veux, tu me MP, tu me l'envoies parce que. Oui, de toute façon, c'est tout bête. De toute façon, tu mets Coraline, etc. Et ça absorbe la foudre, quand même. Une bêtise comme ça. Mais ouais, je veux bien savoir ce que tu fais à toi à ce niveau-là. Raconte la compétence plus riche. Voilà. Et je pense que Jidan, c'est bon. Maintenant, on va juste terminer. Pardon.
Galanterie encaisse l'attaque à la place d'une jeune fille. Protège l'obscurité, ça on va le garder. Lupin, on va le garder. Ah oui, non mais ça c'est les trucs de base. Je pensais que t'avais encore un autre truc encore derrière qui était... Parce que je sais que plus tard tu peux le one-shot ce dragon là. C'est ce que je fais en général. Le one-shot. Du coup, qu'est-ce qui sera intelligent hein, Oui aussi si... Mais il faut... Ouais, il faut les choper les... Il faut les choper les compétences et je suis pas sûr de toutes les avoir là actuellement. Je vais pas avoir besoin d'auto-potion pour l'instant. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Ah, là par contre, ouais, il faut absolument que j'ai... Protège de Morphée pour les poisons toxiques, on s'en fout un peu. On va prendre... on va enlever une triade, on va mettre ça. Avec actuellement la première technique peut fonctionner. Mais oui, bah oui, non mais t'en fais pas là-dessus. Bah d'ailleurs, si vous voulez, on peut aller essayer. Ça me fera prendre quelques levels au pire. Hop, j'irai. Oui, oui, non mais à chaque fois, je suis. Je fais ce qu'il faut. De toute façon, on va bien voir. Hein. On va test. Je crois que c'est elle. On va juste sauvegarder au cas où. Non, mais je peux sauvegarder là-haut. Mais c'est dangereux dehors. Hop, juste regarder un truc. Mel qui dit fait, je suis toujours là. C'est bien Mélanie. Tu veux un sucre? Non mais c'est gentil. C'est gentil d'être là. Hop, on va enregistrer. On va essayer de se taper un Big Dragoon. Juste modifier peut-être une chose. Sauvegarde. Voilà. Ma chérie dirait c'est un bon York Mood tout ça. Ma chérie est fan du film R et elle sort toutes les blagues inimaginables de ce film. Mais... Mince. Ah, et vous saviez aussi que si vous appelez 100 fois Moguo, arrête de m'appeler pour rien, à un moment il s'énerve, il vous envoie balader, il vient même plus après, je crois. Il y a une connerie comme ça, je sais plus trop ce qui se passe, mais bref. Du coup, alors attendez, je vérifie juste mes équipements. Bah du coup, Bibi... mince. Équipement. Je vais pas lui mettre bandana, justement. On va lui mettre ça. Osmulé, c'est bon. Collier magique, réduit les effets, augmente la puissance des effets. Ah mais lui, on est obligé de lui mettre... Ouais, il revient quand même, ouais. Hop. Voilà, on va mettre ça pour être tranquille. Permet d'avoir l'air d'une star, réduit de moitié les effets de l'eau. Et obscurité, bah c'est très bien. On augmente la puissance des attaques de terre. Réduit de moitié les effets du tonnerre. Ouais, mais c'est pas grave. Bah écoute, on va se lancer comme ça. Écoutez. Bien sûr, on va protéger ça, voilà. Et normalement, elle, j'ai un truc, hop, on va faire ça. Frappe plus durement les dragons, bien évidemment. Je crois qu'il fait aussi... Il fait aussi ça, on protège pas d'obscurité, donc ça c'est bon.
Mais je crois qu'il a quand même la... Favorise la transe. Bon, ça, on s'en fout de la transe. Mitridirette. Je crois qu'il a une attaque qui peut te... Ouais, il a une attaque poison. Hein. Voilà, ça c'est bon. Bah, Lupin, là, ça va me servir à rien. Oh, quoique, oh, ça change rien pour Jida. Voilà, je pense qu'on est paré. Tu as Nocturne. Nocturne. Voilà. Alors. Déjà il m'a tué Kuna. Donc ça c'est super. Ah c'est pas Somni, merde. Mince, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. Non, je pense pas avoir Nocturne là. Foudre X. Pas Nocturne, je pense pas. Ouais, c'est pas terrible ça. Il va falloir que je les soigne toutes les deux. Enfin, les deux là. 406, ouais, ça va être chaud, hein. Ça va être tendax quand même. Hein. Ouais, pollution, donc c'est bon. Ça, c'est pas trop grave comme truc. Ouais, défense, et oui. Ah, ok, ouais. Ah ouais, one shot, hein. Peut-être que si j'ai du... Ah, c'est bien ça, mon petit bibi. T'as esquivé. Putain, Jidan, il va se reprendre un coup, quoi. Putain, j'aurais dû ressusciter. Parce que, à part le poison de Claw, et s'il fait par exemple le foudre X sur Jida, il va lui redonner de la vie. Donc ça devrait être bon, quoi. À moins que là, il attaque Freya. Et à mon avis, c'est Freya qui va. Ah non. Voilà, il a de nouveau attaqué. Et là, on va remettre Kuina, du coup. Il faudrait que je fasse ça. Ah, plus c'est possible. Bon, Kuna, elle a vraiment pas de bol. Elle va. Bon, je vais faire au moins ça pour être tranquille, sauter. Alors, si je fais un épée, c'est parce qu'au fait, je peux lui donner obscurité. Si je suis bon. Ah, il y a une défense contre ça, quoi. Ah, j'ai pas beaucoup de René non plus. En plus, il me l'a un peu mis dans le vent. Ouais, ça va être très compliqué. Ah bah ouais, bah je crois que je vais mourir.
Pam 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 pam, mais oui, bien je suis mort. Ouais, si j'avais pas tout le monde qui avait la mort. Oui, c'est clair. C'était un peu Tandax, oui, sans le... Freya, elle voit tous ses potes morts, elle fait « Moi, non, en fait, je vais pas redescendre. » C'est exactement ça. Heureusement que j'avais sauvegardé avant, quoi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas... Il n'y a pas besoin... En fait, j'ai pas réellement de difficulté, au fait, si tu veux, dans le jeu. J'ai pas besoin d'XP à partir d'ici. Mais c'était juste pour essayer, mais ouais, il me manquait 2-3 petits trucs. Mais on peut le faire à ce moment-là, si on l'endort, etc. Et si on a 4 coralines, justement. Alors, attendez. Tu m'as dit qu'il y avait des nymphes, du coup... après Clara, donc on va le faire vite fait. Ah bah tiens, elles sont là. Du coup, alors attends, je vais juste regarder un truc. Oui, je sais, je suis chiant. C'est pour pas les one shot. Il y a 458. Là, il m'a mis effrayant en transe, quoi. Ça permet d'apprendre nocturne à Quina. Ah, ça fait plus 168. Putain, même Jida, il est en transe, quoi. Ils m'ont mis tout le monde en transe. Allez, hey, c'est la fête. Je pouvais pas avoir la transe quand il y avait le dragon, quoi. Hein, c'était pas possible, ça. On vient le manger, miam. J'ai appris nocturne, youhou. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, dans ce bouquin-là, en fait, vu que tu as tout le bestiaire, tu peux apprendre tout ce qu'il faut à savoir sur les bestioles, combien de vies elles ont, et ce que tu peux apprendre avec elles, justement. Et ça, c'est le pouvoir du guide officiel, quoi, tout simplement. Bon, je connais l'histoire par cœur, je connais là où sont à peu près les coffres, etc. Par contre, les bestioles, faut pas m'en parler. C'est un peu différent. Donc, voyons voir la nouvelle compétence que nous avons acquise avec Quina. Donc, du coup, nous avons Fréon, les attaques ou blablabla, et nous avons Nocturne. Attaque générale provoque Morphée, voilà. C'est ce qu'il fallait... pour niquer un Big Dragoon. Mais c'est pas ça qu'on va faire actuellement. On va juste monter et on va aller dans Clara continuer l'histoire de Final Fantasy IX. Le tronc de Clara. Le sable, il est calme. Le sable est calme. Qu'est-ce que ça cache ? On verra bien, avance. Eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Nous sommes à 105 followers. Et c'est super. Et du coup, faut que j'apprenne mon speech par cœur que j'ai toujours pas appris, en fait, mine de rien. Du coup, merci, merci à tous nos viewers, à tous nos followers, à tous nos abonnés. Mine de rien, on commence petit, mais un jour on sera grand. Comme je disais avant, petit panda deviendra grand. Et cinématique. Voilà.
Oui, c'est exactement ça. Bah, merci, merci à tout le monde, c'est vraiment super chouette. Ouais, je suis resté bloqué là. Ton truc des 1000 sauts, mais comment t'as fait? Franchement, explique-moi, parce que je crois que c'est le seul truc... C'est le seul truc qui me manque, en fait. J'ai vraiment du mal, je dois en faire une cinquantaine, je crois. Les donjons comme on les aime. Activez les leviers. Un autocliqueur? Tu joues sur quoi? Parce que là, en fait, si tu veux, je joue sur PS4. T'as dû le faire sur PC, quoi. Une bêtise comme ça. Ah! Oh là 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 là. Ah ouais, c'est de la... du coup, c'est, ouais, c'est effectivement de la bonne grosse triche, quoi. Attends, normalement, il y a un truc, là. Non, c'est en dessous. C'est là. Voilà. Voilà, j'ai reçu une canne glace. Une deuxième canne glace. Et ici, hop, si tu... Voilà, des bottes magiques. Ouais, on va laisser comme ça. Est-ce que par contre, j'avais appris... Ouais, ça, c'est tout est bon. Mince. J'ai pas fini de t'apprendre ça. J'ai pas fini de t'apprendre ça non plus. Donc ça, c'est bon. En même temps, j'ai passé 2 ans et j'ai obtenu 117 sauts. Donc faut s'avouer vaincu quand même. Les devs n'ont pas fait plus de 100 sauts, quoi. Ah, mais ouais. Et puis, et franchement, le truc trophée PS... Ils auraient dû s'arrêter à 100 sauts, tu vois. À 100. 1000, 1000, c'est trop, quoi. 1000, c'est trop. T'imagines, toi, appuyer et en plus, ça va de plus en plus vite. Je crois que tous les 10, ça va de plus en plus vite. T'imagines, toi, faire ça? Et imagine, t'es à 980, c'est 900, on va dire, c'est dans les 900, 500, peu importe. Tu te revois, toi, te retaper encore tous ces sauts à faire la corde à sauter? C'est juste pas croyable. Voilà. Bon. On verra, hein, au fur et à mesure. Oui, donc du coup, si on pouvait avoir plus d'abonnés, plus d'abonnés, plus de followers, ce serait bien, n'oubliez pas de partager les vidéos stream de la chaîne Imagivienne, tout simplement. On va revenir en grande force, hein. De toute façon on n'a pas le choix, hein. C'est notre credo. Eh bien on est obligé de revenir, oui. Mais qu'est-ce que tu nous prépares, mec? Moi-même je ne sais pas encore, mais quand ça va arriver, il faudra être prêt. Et oui, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, c'est pour ça qu'il faut follow, c'est pour ça qu'il faut suivre tous nos réseaux sociaux. Et oui. Au moins ça. Alors, bon, du coup. Hop, il n'y a rien ici. Hop, je reviendrai plus tard et c'est après. Voilà. Une fourchette plus. Ah oui, et comme mon ami le petit Iski est en train de rappeler, on prépare des petites subtilités, mais voilà, pour marquer le coup pour les 100 followers. Par exemple, il parle d'un logo, on parlait de vous faire participer en mode sondage, voilà, quel truc vous aimeriez-vous voir un peu plus sur la chaîne, etc. Mais voilà, on va garder le truc pour nous, et dès que ce sera fait, on vous lancera enfin une émission spéciale des 100 followers.
Ah, et l'émission de Mel s'appelle Mélancolia maintenant. Ok. Eh bah, soyez tous prêts demain pour l'émission de Mel Léo, alias Mélanie, alias Mel Léo. Et on... Ouais, bah après c'est... le truc habituel, quoi. Et au fait, si vous voulez, pour battre ce monstre, en fait, il ne suffit pas de taper le gun. Il faut taper le... Quoi ? Et voilà. Des jeux et des trucs participatifs. Et oui, attention, la grenade annonce. Ce sera demain à 20h30, effectivement. C'est fou que les traducteurs aient pas compris ça. De quoi tu parles Quoi? Corps? Corps en japonais. Ah ok, ouais, excuse-moi Alistair, ouais, j'ai pas vu. Mais oui, non mais ça, il y en avait beaucoup des erreurs de traduction. Je proposerai un cadavre exquis où la participation des viewers sera requise. Un cadavre? Tu veux me tuer, c'est ça? Je sais que je fais beaucoup de merde, mais je mérite pas la mort, quoi. Mogna! Merci de m'avoir apporté de la lettre de Atra. C'est affreux! Des monstres sont venus détruire la ville! Ils portaient tous un chapeau pointu! Je comprends pas, mais quel est leur but? Attention, Mogna, il faut te déménager tout de suite! Ah, merci, Etens, de nous héberger. Tu es gentil, je te ferai un gros bisou. Etens qui a un bon copain. Merci à toi. Canne-feu! En fait, je me suis embêté à prendre tout son merdier, alors que je sais qu'il y avait tout ça après. Franchement. Oui, c'est écrit sur Streamlabs que tu m'as hébergé. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons dans cette... la giga H. Donc, nous avons un petit truc ici. Nous avons un petit coffre derrière. Des dessert boots. Eh oui. Et nous avons un combat qui vient tout juste de s'afficher. Encore un quoi? Pam pam pam. Cette musique me donne envie de péter des faces. Non, pourquoi ça... Non, enfin, péter des faces, j'ai envie de retourner. On va dire, plus exactement, j'ai envie de retourner sur un ring de catch. Et de faire des Norbert suplex. Ou de faire marave. Ah oui, toi tu sais quoi. Mes premières vidéos, au fait, si vous voulez, comme j'étais je commençais au fait le catch, il y avait ce qu'on appelle le système de marave, et je me faisais maraver la gueule, mais d'une force. Un paramite. Il me reste 2 succès, 10K, monstre et un mini-jeu.
Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je crois que je l'ai pas rongé. Je l'ai pas rongé jusque-là, moi, je crois. Hein. Bon, en fait, si tu veux, ce qui m'a... En fait, si tu veux, les succès, ça m'a pas servi à grand... En fait, j'aurais bien aimé le faire, mais en fait, si tu veux, je l'ai tellement fait et refait ce jeu que ça m'intéressait pas de le refaire encore une énième fois, tout faire, quoi. Non, mais ouais, c'est cool, ouais, on est une petite dizaine, c'est assez sympathique. Alors, voilà, venu le temps où va falloir que je spamme ma manette. Ah, mais ouais, enfin, j'avais pas changé ça, du coup. Ah, je suis naze. Ouais, mais c'est plutôt pas mal tout ça. On va rester là-dessus. Il va falloir que je spam. Ah bah non, j'ai même pas spamé ma manette. D'ailleurs, j'ai plate FF7 remake cette semaine. Eh bah. La faut spammer. Faut spammer la manette. Ah, je viens de me déboîter l'épaule. Tout ça pour 900 guilds, quoi. Regardez la tête. Ouais, mais c'est plutôt pas mal, hein. Bien joué à toi, hein. Putain, platiner les jeux. Moi, il y a qu'un seul jeu que j'ai platiné, c'était Ken 7, tu vois. Il y a que deux ou trois jeux que j'ai platiné, c'est genre Tekken 6 et Tekken 7. Mince, je suis parti trop loin. Hop, on va monter là. Un chocolat-légume. Palapalapalapam. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Il m'a carrément gobé, quoi. Ah, mince. Bah, il me les a tous bouffés, quoi, mes persos. C'est quoi ce délire? J'ai complètement zappé ça. Il me bouffe le troisième, mais c'est bon, quoi. Allez, fuis. Alors, en fait, il a fait trois attaques, gobé, 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 quoi. D'habitude, si tu vois, il attend un petit peu, tu vois. Ah ouais. D'ailleurs, parce qu'en fait, si tu veux, il faut que j'arrive à battre ce monstre. Ah oui, carrément. Il faut que j'arrive à le tuer, à le manger plutôt, pour apprendre Sacré Vent pour Quina. Une attaque de vent tout simplement. Et ça peut m'être utile pour plus tard. Mais ouais, s'il pouvait juste éviter de me bouffer trois fois d'affilée, quoi, ce serait bien, quoi. Pas qu'il me fasse gober encore. En fait, là, il faut juste que je rattaque avec Jidan. Ouais, c'est bon. Tornade. Voilà. Et là, c'est bon. Là, normalement, je l'ai. Normalement, là, je le mange. C'est Quina qui va te bouffer la gueule, espèce d'enfoiré. Voilà, j'ai appris Mistral. Tintin.
Du coup, si tu veux, avec Quina, Quina, je crois que Mistral, c'est pas une attaque de vent, c'est une attaque de soin. Enfin, c'est du soin, tout simplement. Rétablis les HP de toute l'équipe. Du coup, c'est vachement bien de l'avoir. Ah oui, les Dragonfly aussi. Par contre, je sais plus où ils sont. Je vais le faire, tiens, vite fait. Je vais essayer de les choper. Je vais mettre en mode rapide. On va essayer de voir si je peux pas en choper un. Ah, c'est encore le même truc. Attendez, je me souviens plus que ça bouffe les Dragonfly. Mais si, ma tragique. Je sais plus si je l'ai. Enfin bref, on verra bien. Alors, c'est vraiment pas pour XP, hein. C'est vraiment pour... Je tente un Doskoi pin-up avec le Newtonite... Putain, il y a la vie, ce truc, quoi. En fait, ça va être énorme, quoi. Du coup, équipement. Autopotion, c'est bon, ça, il a un prix. On va apprendre des troubles. On va surtout lui apprendre Nuit Blanche. Je sais plus si... Non, je pense pas que je l'aurais... Sinon, les pirates apprennent... Ah, mais oui, c'est vrai, il y avait autre chose aussi. Et voilà. Il y avait autre chose ici derrière. Oui, ça, je sais, ouais, elle est pas KO, là. Pas le temps d'appuyer sur quoi. Les scorpions, je sais même plus ce que ça apprend, cela. Excusez-moi, je fais mon petit RPG comme si j'étais tranquille chez moi et tout, tranquillement. Sulfura, non, c'est pas ça. C'est lequel, cela. Scorpion, percé niveau 3, je l'ai déjà. Mince. Hop. Ah bah tiens, j'ai appris Dragon Killer, ça tombe bien. Hop. On va se mêler, ça c'est bon. Ah, c'est chiant les RPG, hein. On est toujours obligé de changer quand ça devient intéressant. Par contre, si, il faut que je redonne de la vie. Il faut que je redonne absolument de la vie à tous mes persos. Surtout à Bibi. Voilà. Il fallait que je sorte de l'autre côté, mais il va falloir que j'enlève le mode rapide parce que je peux pas appuyer sur 3 indéfiniment. Hop, imagine-moi, toi tu m'embêtes. Voilà. Elle a appris HP+, voilà. Pas sûr que je puisse apprendre. Je sais pas où ils sont, mais je crois ma tragique, je sais plus si je l'ai ma tragique. Non mais ici je vais tomber. Je vais tomber forcément sur cette bestiole là, la con. Voilà. Excusez-moi. Du coup, hop, on va enlever ça. Hop là. Mais je veux pas retomber là, bordel de fesses. Mais... Oh là 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 là. Voilà. Mais c'est pas vrai. Ah. Mais... Non, mais c'est pas là que je vais aller. Oh, je suis en train de bourrimer ma manette, voilà. On va prendre une pause. Je suis tout transpirant. Voilà, c'est les têtes que je fais en général quand je dois appuyer comme un...
Imaginez-moi sur Trackmania, sur les... Ouais, on va attendre, on va bien XP là. Je pense que les chenilles, normalement, doivent être là-dedans. À moins que ce soit que le golem. Ah, mais ouais, mais je vais retomber encore sur ce golem-là. Eh oui, ça donne mal à la tête tout ça, hein? Bah moi aussi, du coup, vous connaîtrez ma souffrance. Les chenilles, on trouve dans les troncs, ouais. Tadam. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être là-dedans. Est-ce que je sais pas pourquoi, mais des fois, il y a des bestioles qui veulent pas apparaître. Les chenilles, t'en trouves dans les troncs. Je pense que ça va être... bah là. Ouais, bah voilà, tiens, justement, c'est ce qu'on parle. Alors du coup, c'est les packs à eau. Les packs à eau, c'est juste pour savoir combien ils ont de points de vie. Ah, les RPG, dis donc. Quand tu veux bien l'augmenter sans pouvoir profiter du jeu. Sauf que ça, bah, au fait, je peux pas le faire en amont, parce que vu que je suis en train de faire en même temps bah, l'histoire, et que j'avance pas du tout sur l'histoire, parce que sinon, vous pourrez pas voir ce qui se passe, et bah, c'est pas... c'est 259. Ok, bah, je vais voir avec Freya. Hop, hop. Ça, maintenant le jeu est vachement lent quoi. Pam 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 la pam pam pam. Eh oui, j'ai appris pas KO. Et après, les dragonflies, je sais plus où ils se trouvent. Ouais, j'ai un niveau en plus. Tanana, tan, 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 tan. Bon, on va remettre le mode rapide, voilà. Hop. Mince. Encore ce golem ? Ah, c'est vrai, j'ai plus de soin avec lui. Prendre un éclair. Voilà. Vers l'extérieur ou le bas du tronc. C'est pas grave, on va redescendre. Ah, mais je peux plus redescendre, je crois. Oh, enfin bref, on fera ça plus tard. Ma tragique... Ah bah tiens, regarde, quand on parle d'eux. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais faire. 348, voilà. Hop, on va juste enlever ça. On va juste attaquer celui-là. Le dernier, il va attaquer celui-là. Bon, celui-là, il est mort. Bam, 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 bam. Ouais. Ah bah c'est bon, allez hop, on attaque tout ça et on se casse. Maintenant on va pouvoir monter, on va pouvoir continuer l'histoire des Final Fantasy IX. Oui, enfin! Après tout ce temps à vouloir un peu farm, pour être tranquille après!
Ah, mais comment ça se fait qu'il... Ah, Didane, enfin, tu fais ton taf, quoi. J'ai obtenu une carte. Hop, on va remonter ça. J'ai dit, on va remonter ça en 2DF. Hop. Voilà. Non, c'est pas là. Excusez-moi, je me suis encore trompé. En fait, c'est tellement rapide. Voilà. Maintenant, c'est encore le retour de la tronche de... Mais en plus, je suis vraiment en train de spanner ma manette. Dirais-je, branle ma manette. Vas-y, je suis un professionnel. Faut pas le dire à ma chérie. C'est une expérience et tout ça. Puis on a dit que c'était une chaîne tout public, donc normalement, je devrais pas faire d'allusions sexuelles sur l'autogestation de son engin sexuel. Alors, nous arrivons à Clara. Et je vais pas faire de pause, juste me juste aller me chercher à boire, tout simplement. Dame Freya, je présume. Oui, c'est ça, en fait. C'est bien moi, mais... Nous vous attendions. Mais quand même, me connaissez-vous? Le souverain de Moulomessia nous a demandé de vous attendre et de vous accueillir. Tête de flan avec ta grande bouche. J'ai pas le droit de t'insulter, mais j'en pense pas mieux. Le roi est-il sain et sauf? Conduisez-moi jusqu'à lui. Ce serait un honneur. Didane, je vais voir le roi. Profitez-en pour vous reposer un peu. D'accord. Par ici, je vous prie. Bon, là, ils vont vous faire un petit speech tranquille mou. Moi, je vais juste me rafraîchir un petit peu le gosier. Ça ne vous dérange pas. Je reviens tout de suite. Ah, c'est Rudy. Bonjour, Rudy. Il va bien, mon chat ? J'espère que tu t'en occupes bien. En fait, c'est Rudy qui stream à la place de Tony. Personne ne le sait. Bah, le chat de Rudy, comment il s'appelle, Obi-Wan. Souhaitez-vous que je vous fasse visiter la ville? Non. Vraiment, mais quel dommage. Elle a l'air bizarre, cette ville. Bah ouais, tu m'étonnes. De ce gros chat bien pépère. Bibi, Quina, venez, on va la visiter. D'accord. Moi, je vais chercher des bonnes choses, bien. Il y avait pas un truc, là? Oh, je sais plus. Active time event. Y a rien à manger. Jean-Michel, gros chat bien pépère. C'est exactement ça. Ce chat, il est juste énorme. Moi, quand je vais chez Rudy, ce chat, il n'a que Dieu que pour moi. Ses maîtres, après, il en a plus rien à foutre. C'est incroyable. À savoir,
C'est qui le maître entre Rudy, son propriétaire, et puis moi, un simple visiteur? Il n'y a absolument rien à manger dans cette ville, miam. À Alexandrie, il y a le Queen's Bill, miam. À la porte sud, ils ont la tarte au maroilles, miam. S'il est fou, ce... Il y a une gemme. Mais je crois que c'est tout M et E. Ah, mais c'est les gens qu'on avait sauvés. On s'est rencontrés à Blue Messia, non? Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Hop, la partisane. Je crois la multimassue, je ne l'ai pas. La... Le mitrilé. Peut-être pas prendre tout ça, mais... On va en prendre 6. Un paramite. Top. Oh, je peux, j'ai du pognon. Hein. Un chapeau mago. Un armitrier. Un mi-gilet. Maroual, café, orgasme. Non mais en plus c'est comment ça s'appelle, c'est un personnage qui pense qu'à la bouffe quoi, c'est... Un Tomal qu'il est. Du coup qu'est-ce que je peux faire ici? Alors c'était quoi M? Ouais c'est ça. Et normalement... Oh, c'est pas grave. Après qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? F, G, H. On va rentrer à l'intérieur, ce que je sais. Ouais, je sais, hein, je regarde beaucoup mon truc, mais je peux pas louper grand-chose. Bon, à vrai dire, les objets ici, ils ont pas... pas forcément... non. Je sais plus, c'est... Ah, celle-là. On leur vole des choses. Ils nous volent notre travail. Voilà, il y a un éther. Il y a un éther ici, et... bah, j'ai... Et ici, il y a un mog. Mogton! Il a absolument raison de manger. Pierre. C'est un marchand? Ah non, c'est un tavernier, oui. En fait, si tu veux, le peuple de Cléra, contrairement au peuple de Blue Messia, est totalement pacifique. Genre, ils vont te régler un problème en mode discussion... passage de pommade, etc. Il y a un truc, ouais, je sais, là-bas. Lettre de Ruby à Zidane. Je me prépare à monter un café-théâtre, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de comédiens pour jouer une pièce. Tu n'as pas quelqu'un à me présenter? Si les Tantalas étaient à Alexandrie, ils m'aideraient. Mais j'ai peut-être trop confiance en eux. Leur sale tête serait vraiment utilisable sur scène. Elle cherche un comédien? À vrai dire, je rêve de... Mais j'ai pas confiance en moi. Bon, parce que Mokton, tu as une lettre à donner. Non, tu n'as rien à donner. Ouais, normalement, il y a un truc, j'ai complètement zappé. Normalement, il n'y avait pas un truc, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Normalement, si je retourne sur... je pense que c'est juste ça, il doit y avoir un truc. Là, ici, normalement, tu dois y avoir un Resurex. Là, que j'ai pas pris tout à l'heure. J'ai complètement zappé. Et ici... Tu vois, ouais, tu as des sous. Non, mais en fait, ça... bah, tu verras ça tout à l'heure. En fait, il faut que j'enclenche une deuxième ATE. Pour pouvoir voir ce que je... Ce que je vois, ce que tu veux dire. Hop. Ta-da-da-da-da. Me rejetez pas. Le pauvre petit Bibi. Ah! Un monstre à chapeau pointu! Ne vous approchez pas de nous! Je le savais, t'es venu nous agresser! Bon, on va voir quand même ce qui se passe. Il est mignon, ce petit personnage avec sa queue de singe. On dirait un kiki.
Bah en fait, si tu veux, il a 16 ans, c'est un voleur. Mais si tu veux... Ah, la... La peluche. Ah, un kiki, la peluche, oui. Bah, c'est personnage SD, en fait, c'est Jidan, totalement. Je sais pas si tu peux voir... Non, tu peux pas voir le personnage en lui-même. Mais oui, c'est totalement inspiré, bah pareil, du même conte que celui-là qui a inspiré bah, Dragon Ball Z, quoi, tout simplement. Non, je... Arrêtez! Pourquoi avez-vous attaqué Blue Messia? Pourriture! Méchant! Sale type! Allons, calmez-vous, voyons. C'est l'un de ceux qui ont attaqué Blue Messia. Non, je... Oui, pas assez de... Mais en plus, j'étais même pas en train de penser à ça. J'étais en train de te dire... je pensais que t'étais en train de parler des souriceaux ou de Bibi. Parce que je comprenais pas la peluche. Des champignons! Des champignons? J'ai jamais vu des champignons comme ça. Miam! Miam, 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 miam. On peut les manger? Ah bah oui, hein. C'est une émission tout public. Donc même mon cerveau, il est mis en off. S'il te plaît. Quand on est entre nous avec une bonne binouze, etc. Ça va, tu me connais. Mais sinon, devant les gens, moi je suis... T'es, moi je vais... Hop, hop, t'es comme ça. Hop, hop, hop. Carré. J'ai faim. Le tourbillon ressemble à de la glace. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai la tête qui tourne. T'es vraiment saoulante des fois. Allez hop, retournons. Alors vous avez vu la logique? La logique quand même. Donc c'est Quina qui saute en premier. Et c'est Jidan qui est d'abord en dessous. Enfin, qui est en chute avant Quina. J'ai eu peur, Miam. Heureusement que j'étais plus en forme que d'habitude, Miam. Ah, mais c'est un coffre. C'est pas souvent qu'on en courroux. Il fait marsupile. Oui, en fait, si tu veux, dans les premiers épisodes, il utilise sa queue de singe pour esquiver un coup de poing de Steiner. Il s'accroche à un truc. Une robe en soie. Et des bottes magiques. Un élastron. On verra plus tard tout ça. Hop, je vais pouvoir descendre. Hop, je saute. Après, la masse ne rend pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a sauté en premier, au fait. Si tu veux, elle est déjà tombée dans le trou et c'est Jidan qui l'a rejoint. Oui, après, je me doute, etc. Non mais ça va, j'ai l'impression de retourner au collège quoi, ça, même ça, moi je le sais, bordel de cul. Y a que les blancs-becs qui le savent pas quoi. À partir du moment où tu connais l'astuce, bon c'est juste la quantité qui change quoi. Ouais bah à vrai dire, Quina, je pense que vu la... En plus, elle a une espèce de mini-robe, là. Ah, c'est le retour! C'est le retour des tourbillons! En revanche, plus la masse est large, plus elle se fait... Bah oui, justement. Et bien, du coup, en plus, comme Quina, l'espèce de robe... Ça devait être pour ça. Et du coup, Jidan, bah lui, il est tout casse. Donc, on dirait une flèche. Et du coup, c'est pour ça qu'il tombe plus vite. Ah, tout ceci explique cela. Excusez-moi. Putain, mais j'ai quasiment pas avancé, au fait. J'ai fait que Cléra. Bon, on va finir ça. On va aller rejoindre le roi. On va aller rejoindre Freya. Je te l'avais dit, de toute façon, que t'avais le temps, Alistair, du coup. Hop. Regardez-moi ce joli petit paysage. Mulan. Mulan. Ça fait Mulan quoi. Je n'ai pas l'autorisation de vous laisser passer. Bah ok. Dame Freya a laissé un message pour vous, monsieur Dijad. Ça risque de... Allez m'attendre à l'auberge.
C'est tout. Ok, bon bah on va à l'auberge. Regardez quand même le paysage de Cléra, c'est vrai. Moi la première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça stylé quand même. Venez vite! Que se passe-t-il? Pourquoi cette agitation? Le fourmilion s'est emparé d'un enfant! Le fourmilion a fait ça? Pourtant, il est calme d'habitude. Il faut croire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour calmer ce monstre. Évidemment. C'est embêtant. Je vais avertir le grand prêtre au plus vite. C'est ça que t'appelles au plus vite, le mec qui marche tranquille, quoi. Ouais. Hey, attendez, on n'a pas le... C'est pas vrai, ce qu'ils peuvent être perdre leur temps ici. Toi là-bas, si tu es courageux, viens m'aider. Allons aider cet enfant bouffé par un fourmilion. C'est donc ça le fourmilion ? Au secours! Oh. Et calme-toi, on arrive! Zidane, comment va l'enfant? Bah, ça va. C'est... Bon, ça va. Non, ça va pas! Mais cette voix... Mais c'est... On dirait celle du prince Puck. Et oui, le petit enfant que vous voyez là, qui était au début du jeu, qui a fait en sorte que Bibi puisse regarder la scène « Je veux être ton oisillon » des Tantalas, n'était autre que le prince Puck du royaume de Blue Messia. Tintintin. Hey Freya, ça fait un bail. Quoi? Surtout le lore de dos en fait qui m'a moins intéressé. What a twist! Pané pam 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 pam. Là, je prends une désembrouille. On dirait il déprime Quina, tu sais, avec le désembrouille. J'ai volé un... Bon, ok, attendez, hop, on va faire la même chose, comme d'hab. Vol raté. J'ai volé un mi-gilet. Alors, attendez, hop. Oui, du coup, là, Bibi, il est là. Vol raté. Sauter. Ah, effectivement, j'ai bien fait de garder. Pumpkinhead, pas nocturne, c'est Mistral. Voilà. Ah, hop. Bon, c'est pas grand chose, mais ce sera toujours mieux que rien, quoi. Vol raté. Ah, c'est bon, j'ai volé l'armée d'or, je vais pouvoir lui défoncer sa... C'est défoncer sa tête, là. Voilà, mage noir plus, allez hop. Allez, Bibi, attaque glacier plus, attaque glacier plus. Et oui, c'est comme ça, les amis, qu'on termine ce boss en beauté. Et j'ai l'été aussi, l'été qui est très pratique. L'été, une attaque dragon de... bah, de Freya, en fait, c'est juste un sort de récup pour toute l'équipe. Et là, du coup, dans ce cas-là, c'est vachement utile dans le sens où le fourmillon nous met en état vraiment critique.
Là j'avais un peu de chance quand même que le fourmi... Enfin que Bibi soit... Là j'ai un peu de mal avec, avec ce nom. Quel nom? L'été? Parce que pour moi l'été ça devrait être pour endormir la nuit. Ah ok. Réverse antenne. Dragon Ryuken. Ah, ça a raté. Il est naze, en fait, ce mec. Bon, c'est pas grave. Bibi va le tuer avec son glacier plus. Et voilà, c'est terminé. Parce que, fleuve des enfers de la mythologie grecque. Et son eau donne le sommeil éternel, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Tout à fait. Je sais plus dans quoi je l'ai lu. J'avais des magazines quand j'étais plus jeune, genre une petite dizaine d'années, où justement ils reprenaient toutes les terminaisons, tout le lexique au fait celui des Final Fantasy, ils disaient d'où ça venait. Ah, j'ai appris compétences plus. Et voilà ce petit boss tranquillou. Comment allez-vous, prince? Salut Freya, ça fait un bout de temps qu'on s'est vu. Hé hé, où étiez-vous? On m'a dit que vous avez disparu de Bulmessa depuis longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. Le roi est au grand temple. Allons le rejoindre. Le paternel est là? C'est pas la peine. Dis-lui que je le salue, ça suffira. Allez, salut. Putain, le prince insouciant, quoi. Allez, salut Bibi, à la prochaine. Quel sale gamin, je préfère Bibi. Hey. C'est mon premier ami. Je vais avec lui. Ainsi, Puck était ici. Il est toujours le même garnement. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai entendu dire qu'il avait disparu un mois après mon départ. Cela va faire 5 ans. Mais l'un comme l'autre, vous êtes revenu alors que j'avais besoin de vous. Je vous en suis reconnaissant. Dame Freya, nous allons procéder à la cérémonie ancestrale visant à renforcer la tempête qui te protège. En renforçant la tempête, nous découragerons nos ennemis, nous rentrerons chez eux. Afin de le rendre encore plus puissant, j'aimerais lui insuffler votre pouvoir de chevalier dragon. Cette cérémonie vient du temps où Bleu Messia et Clara ne faisaient qu'un, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Didan, je n'ai pas su protéger Bleu Messia, mais je ne laisserai pas Branette aller plus en avant dans ses desseins. T'as changé, frère. Quand je t'ai rencontré la première fois, je te pensais pas aussi forte. Maître Fratley voulait que la paix règne à Blue Messia, et j'ai pas pu réaliser son souhait. Tout ce que je peux faire à présent, c'est protéger Clara. Et en la protégeant, tu te protégeras toi-même. Je me protégerai. Je me protégerai. Voilà. C'est ça qui est vachement... En fait, là, si vous voulez, bon, du coup... pour revenir un petit peu dans l'histoire, donc du coup il y a Rembrandt qui va attaquer Blue Messia et puis Clara. Et du coup ce qui est vachement bien c'est que le personnage de Freya soit originaire de Blue Messia et du coup elle est vachement concernée par ce qui se passe tout bonnement. Et ça permet en même temps que l'histoire avance de développer le personnage de Freya. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de sympathie envers elle par la suite. Et là, je vous laisse la petite musique, je ferme ma bouche, promis juré, je ferme ma bouche, et je vous laisse profiter de la petite chorégraphie.
Donc là, j'ai fermé ma bouche pendant tout le long. C'est très rare. Alistair, tu pourras noter sur la pierre que j'ai fermé ma bouche. Et du coup, par contre, la musique, la même petite musique, vraiment, je la trouve vraiment belle, celle-là en plus. Je la trouve vraiment bien appropriée. Et malheureusement, les cordes, elles ont cassé. Et au moment où elle annonce, c'est un mauvais présage. La musique est là pour nous mettre. C'est rare, mais c'est bien. la musique est là pour nous mettre directement. Elle nous rappelle à l'ordre, en fait. C'est là on n'est pas là pour rigoler, là. Là, on est là pour... Là, ça sent le roussi, là. Tu sens qu'avec la musique, ça sent le roussi. Tu sens l'ambiance pesante. Et oui, la tempête qui protégeait Clara a disparu. Hé, la tempête s'est arrêtée. Vous deviez pas la renforcer. Je ne comprends pas. Ce genre de choses n'est jamais arrivé depuis que nous sommes arrivés à Clara. D'après les écrits, nous avons incrusté la pierre magique dans la harpe. Puis, grâce à son pouvoir, nous avons engendré la tempête. Quelqu'un aurait voulu abattre cette barrière. Tu t'es trompé de sort. Comment ça? C'est aussi ce que je crains. Si encore nos ennemis étaient arrivés par le tronc. M'enfermer. M'enfermer, moi, dans un endroit pareil. Bill, un vase, vous me le paierez. Hey, vous m'ennuyez, là. Et n'oublie pas que c'est toi qui nous as suivis. Je veux dire, ça doit être terrible d'être trahi par la reine Branett. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Ah oui, ah putain, je me suis trompé de ça. Ah oui, non, mais par rapport au fait qu'il devait améliorer justement la tempête et que ce soit. À sa majesté ne trahirait pas l'un de ses fidèles serviteurs. Et vous croyez ce que vous dites? On ne sait même pas comment elle a reçu la princesse. Ah, monde de merde. Princesse, Ténébron, je viens vous sauver. Mère, daignera-t-elle m'écouter? Pourquoi a-t-elle attaqué Blue Messia? Est-elle contrariée d'avoir dû me faire arrêter? C'est un peu compliqué, mais je dois tout lui expliquer. Au fait, depuis quand Mère a-t-elle changé? N'est-ce pas depuis mon anniversaire l'an dernier? Ce jour-là, il y avait cet homme si grand que je n'avais jamais encore rencontré. Y a-t-il un rapport avec lui? En tout cas, je suis sûr que c'est là qu'elle a commencé à changer. Et peu de temps après, Maître Toto a quitté Alexandrie. Depuis ce jour. Pourquoi? Sa Majesté te demande. Nous allons te conduire à elle. Comment? Vous n'êtes que des bouffons, je vous interdis de me tutoyer. Ne discute pas. Quand nous disons que nous t'emmenons, nous t'emmenons. Dans une telle situation... Fermez-la, bande d'abrutis. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je comprends pas. C'est difficile à expliquer. Toujours est-il que Sa Majesté nous attend. Par contre, je suis désolé, je peux pas faire le duplex, je peux pas faire la double voix, tu vois, en même temps. Je suis pas assez balèze pour ça. Eh, hey, viens vite. Il ne faut pas faire attendre Sa Majesté. Mère? Grena?
Où es-tu parti? J'étais si inquiète, je n'endormais plus. Approche-toi que je te vois. C'est le remix avec le petit chaperon rouge. Approche-toi. Mère, j'aimerais vous poser une question. Laquelle? Tu es si mignonne, je répondrai à toutes tes questions. On dit que vous avez détruit Blue Messia, est-ce vrai? C'est donc ça que tu voulais me demander. Mais c'est faux, Grina. Ce sont les rats de Blue Messia qui ont voulu détruire Alexandrie. Je ne pouvais pas laisser détruire notre beau pays aussi facilement. Alors nous avons attaqué les premiers. C'est là que je dois vous croire. Bien évidemment. Tu ne croirais donc pas ta mère? Et vous mentez! Je ne peux pas croire une chose pareille, évidemment, parce que tu es l'héroïne. Et pourquoi donc? Tu oses dire que ta mère ment? Pardonnez-moi, mais puis-je prendre part à ce drame? Moi, je suis le méchant. Ce drame? Oui, la belle histoire qui se joue ici. Ouais, Stenner l'aurait cru, lui. Celle qui parle de l'amour déçu. C'est peut-être ton cul là que je devrais te dessiner. Oh, petite enflure. D'un prince au blanc destrier pour une belle princesse. La beauté de la princesse se trouve voilée par le chagrin et la belle s'endort pour 100 ans. Je vous ai déjà vu. Notre rencontre est un fait du destin. Mon bel oisillon, viens à moi. Je t'emmènerai dans le monde des rêves. Par ma magie. Je le savais, elle est si belle quand elle dort. Petite effrontée. Pile face! Préparez ce qu'il faut pour prendre les chimères à Grina. Princesse, enfin vous avez 16 ans. Princesse, enfin nous pouvons retirer vos chimères. Merci Étienne, bisous. Chimère à la vie éternelle. Sortez d'ici, de votre enfermement, de votre raison, de votre libération, de votre gloire. Je, en fait, si tu veux qu'on y parle un peu en même temps, j'essaie de faire un peu. L'heure est venue, le moment est venu. Odin, esprit guerrier des ténèbres, viens à nous. C'est là que t'étais, Freya. Pourquoi la tempête s'est-elle arrêtée d'après toi? J'étais déjà surpris qu'elle soit là. Alors, je sais vraiment pas pourquoi elle s'est arrêtée. Tu n'en sais rien. Cette tempête a soufflé sans interruption pendant près de 500 ans. C'est encore à cause de Branette. C'est sûrement ça. Tu es d'accord avec moi? Rien. Ne fais pas attention. Zidane, je vais descendre pour essayer de comprendre pourquoi la tempête s'est arrêtée. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais te proposer. On perdra moins de temps à discuter. Je vais chercher Bibi et Quina, on se retrouve à l'entrée de la ville. Je suis niveau 16. C'est plutôt pas mal. Ah bah oui, en plus là, vu que j'ai pas mal d'équipement maintenant, pour elle, ça va être pas mal. Compétences plus. Botte magique.
Ah, Freya, te voilà enfin. On a décidé de venir avec toi. Allez, on y va. J'ai pas vu Puck. Il est peut-être dans le dron. Bibi. Le sable d'ici est très doux. C'est une ville succulente. Je dois récompenser leur amitié en protégeant Clara à tout prix. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce Final Fantasy. J'aime beaucoup ça dans ce Final Fantasy. En fait, si vous voulez, il y a vraiment un truc qui est vraiment chouette. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, en jouant au 7, au 8 et au 9, par exemple, la trilogie de la PlayStation 1, c'est que contrairement au 7 ou au 8, si vous voulez, t'as Cloud et Squall qui sont toujours en train de faire la tronche de leur côté en mode taciture. Ouais, je suis badass et tout, j'ai pas besoin de j'ai besoin de personne et tout pour évoluer, etc. Alors que là, et puis c'est toujours les camarades, au bout d'un moment, Squall il flanche et Cloud il flanche, et c'est les autres qui lui remontent le moral. Sauf que là, c'est tout l'inverse. C'est Jidan, en fait, c'est tout le groupe, en fait, il est vraiment soudé. À un moment, ils ont tous chacun leur petite histoire. Il y a Bibi au début qui se remet vachement en question. Là, on est actuellement avec Freya qui est vraiment pas bien parce qu'elle sent son pays qui est en danger. Et ensuite, on verra d'autres personnages avoir leur petit moment. Et vous allez voir le groupe vraiment soudé, au fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce Final Fantasy-là. C'est que c'est vraiment, en fait, la vie quotidienne. C'est vraiment dans la vie de tous les jours. Vous avez quelqu'un dans votre famille, vous avez vos potes, etc., qui sont pas forcément bien. Vous allez les réconforter. Et si vous êtes pas bien, vous allez avoir vos amis qui vont vous réconforter. Et c'est, en fait, quand je lisais le bouquin, justement... C'est ce que Sakaguchi, au fait, il voulait vraiment insuffler dans les Final Fantasy. C'est un petit peu la vie quotidienne, en fait. Je vais la mettre un peu plus loin, la lumière. Elle prend la fuite. Et toi, je t'ai défoncé la rondelle. Les Amazones. Donc vous sentez bien le coup venir que s'il y a une Amazone. Et il faut encore une fois que je regarde mes stats. Mais là, mais ce mec, il peut pas rester 5 minutes sans regarder ses statistiques. Eh bien, je te dirais que non. Eh, j'ai un chapeau Mogo. Je vais prendre une mitrilée. Ah, ça m'intéresse. Hop, et normalement ça devrait être bon. Compétence plus, et oui, on va apprendre nos... Et ça va pouvoir me protéger de mutisme. Mais que se passe-t-il donc? Encore des Amazones? C'est vraiment pas bon à voir tout ça. Tranché. Et voilà, c'est comme ça qu'on tue des gens. Un coup de magie noire dans ta face. Heureusement que j'ai mon petit Bibi avec moi. Pardon, excusez-moi, des fois je pars un petit peu. Par contre, je comprends pas. Alors, il y a un truc, je capte rien. Bon, si. Bon, au début, j'ai fait quand même pas mal de... J'ai réussi à avoir pas mal de followers. Mais tout de même, depuis un moment... J'ai acquis aucun follower. C'est quoi ce bordel? Hein?
quand même un petit peu... Enfin, moi, je vais bouter, hein, je continue comme ça. Hein. Le mec, il sait même plus quoi. Allez, vas-y, commence à il commence à dire de la merde. Je vois le nombre de viewers passer de 7 à 6. Il y a le mec qui gueule, hein, qui veut des viewers, il veut des followers, et hop, on se casse. C'est un mec qui réclame, il est comme tous les autres de toute façon. Il réclame des vues, il réclame des pouces, il réclame des... il réclame de l'argent. Tranché. Tu déconnes, mais c'est peut-être pour ça. Non, non, s'il te plaît. Non, mais je réclame pas, moi. Je fais pas le roumain. Alors, c'est extrêmement raciste l'imitation que je vais vous faire, mais je fais pas le roumain. Je fais pas. Qui vous plaît, des followers. Non, je. C'est pas moi, ça, c'est. Moi, je dis, j'ai juste fait une remarque. Je dis que quand c'était moi, bizarrement, il y avait pas de plus de followers. Voilà. Moi, je dis, ouais, il faut suivre la chaîne, blablabla. Et j'ai oublié de lire le texte. Je trouve qu'on a croisé bien peu de soldats d'Alexandrie. Pour pouvoir parler de véritable attaque, pas toi? Moi aussi, ça me paraît louche. C'est vrai! Aïe! Hé, Freya, c'est terrible! La ville est attaquée! Il faut que tu y retournes, vite! J'en étais sûr, mon inquiétude était justifiée. J'y retourne sur le champ. Mais qu'est-ce que vous attendez? Venez! Allez, on y va! Parfait. Tout est en plan. En plus, j'adore le côté. En plus, tu vois, elle est vraiment badass, cette... Ça, il faut imaginer. Puis si elle arrive, hop là, ce petit coup dans les cheveux. Parfait. Vous êtes donc venu jusqu'ici. Tu es... Il essaye de le raisonner, cet abruti. Tu es... Tu es... Aidez-nous! La ville est pleine de monstres! Voilà. Attendez, excusez-moi. Il y en a tant que ça! Il ne cesse de tomber du ciel! Hii! Tu es! Mais franchement, les musiques sont vraiment bien trouvées, hein. Vous sentez, comment ça s'appelle, l'enjeu du contexte, en fait, l'enjeu du jeu. Le drame qui va survenir. J'ai appris prudence. Écoute, beau, j'ai rien de chose. Petit, c'est nouveau. Merci, merci beaucoup, beau. Je vais sauvegarder parce que ça fait un petit moment que j'ai pas sauvegardé. Petit, pim, pam, poum, pim, pam, pim, pam, pam, pam. Je vends une maxi potion, un éther, un Rex pour 444 gil les 3. Et bah, j'achète. Merci, comme ça je vais pouvoir continuer mon voyage. Je dois aller les aider. Alors, Tadala.
Ah, les Amazones, rendez-vous! Sinon, ce sera la guerre! Viens où jouer la guerre! Eh, par ici, vite! Venez voir un peu ici maintenant! Ah ah ah! On va combattre les Amazones! Est-ce que du coup, le fait que nous soyons des hommes et que nous frappons des femmes, est-ce que c'est mal vu? Je sais pas, enfin je dis ça comme ça, hein. Tranché. Frayon. Bon, en espérant que cette fois-ci ça fasse des dégâts. Ce serait bien. Ah ok, ça attaque comme ça veut au fait. L'égalité des genres selon Kazuma. Normalement tu es safe. Ouais. Je suis safe, je vais pouvoir truc. Je vais pouvoir dire plein de trucs misogynes. Non, ma chérie, elle serait là, elle me défoncerait. Après je suis obligé de chercher le lèche-bat. Oui ma chérie, mais je t'aime ma chérie. Non en vrai je l'aime énormément ma chérie. C'est un personnage que je joue. C'est une caricature, je ne suis pas misogyne. Je suis macho, c'est tout, c'est pas pareil. On va bien regarder. Macho, c'est pas pareil. J'ai quand même du respect. J'aime les femmes. Toi-même, tu le sais. Ouais, voilà, dire des trucs misogynes, non, mais taper des femmes, oui. Je viens de me rendre compte que j'ai dit un truc totalement stupide. C'est vraiment totalement what the fuck. Non, c'est pas bien, hein. Ça c'est des conneries, bien sûr, on rigole. On fait absolument pas l'apologie de la maltraitance envers les femmes. Ah bah oui, tu m'étonnes. Du moment où que tu frappes aussi des hommes, tu peux faire des drop tricks sur les gonzesses. Kazuma gender equality. Bon sang, ça se complique. Où ça en est, cette ville? Les soldats sont en train de monter. Comment ça se présente par ici? Les habitants de Blue Messia résistent, mais plus ils tuent de monstres, et plus il y en a. Nous ne pourrons rien faire d'autre que fuir. C'est encore un coup d'Alexandrie, bordel de cul. Mais que faire? À droite, vite! Hop. Oui, je sais, je suis encore dans le menu. Il faut encore que je récupère. Là, de toute façon, j'ai plus rien d'autre. Non, 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 ça c'est bon, Bon, on va faire la chaîne d'or, tout simplement. Ça, c'est bon. Mithril, et de toute façon je peux rien apprendre d'autre. Botte magique. Alors du coup qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre d'autre avec lui? Bah rien d'autre pour l'instant. Je vais juste lui mettre la coralline du coup. Je veux pas dire mais j'ai fini le line work. Ah c'est cool ça. Bah tu me montreras du coup. Hâte de voir ce que t'as fait. Oui. Il n'est pas vu mon mari? Non, pas encore. Je veux mon papa. Ouais. À gauche, vite. Vous irez pas plus loin.
Envoie-le-moi en MP, s'il te plaît. Je vais le mettre dans le stream. Si tu me permets, bien sûr. On va peut-être vous faire tuer. En fait, je pense que je vais me tuer. Attends, je colore d'abord. Ok, bah peut-être... Peut-être qu'avant la fin du stream, vous allez voir le merveilleux fanart qu'on a fait de moi, de mon personnage de Doskoï, version Kuja. Ça peut être très marrant. On va peut-être pas lui faire ça, là. Et ça a raté, bien évidemment. Tranché, et c'est raté. Ah oui, du coup la reine, la princesse Grena. Si on attend trop, on va tous y rester. Du coup, compétences. Ah si, j'ai tué. Ah par contre j'ai pas le niveau plus. Avec elle. Ah bah du coup je vais enlever le niveau, je vais mettre le niveau plus. Du coup bah je crois que là ça va être très simple. Vite, monsieur! Où est-ce qu'on va? À droite, vite! Là, du coup, j'ai hâte de voir. J'ai quand même hâte de voir ce que tu vas me faire. Bon, il y a un petit peu moins de monde, c'est normal. Parce qu'au bout de 3 heures, les gens, ils ont pas que ça à foutre pendant 3 heures, quoi. Mais en tout cas, je vous remercie de rester jusqu'au bout avec moi. C'est vraiment chouette de votre part, tout simplement. Et ça me fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Sachant aussi que ce FF9, c'est un de mes Final Fantasy préférés. J'ai tellement de choses à dire dessus. Surtout à partager avec ceux qui l'ont fait, mais qui n'ont pas plus poussé, par exemple, l'histoire, ou qui n'ont pas plus peut-être voulu comprendre l'histoire aussi. Je vais pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Ça va ici? Y'a plus de monstres, hein? Difficile à dire, surtout faites très attention. Ouais. C'est évident, nous ne sommes toujours pas en sécurité. Vous êtes encore là? Oui, nous aimons beaucoup cet endroit. La tempête n'est plus là pour apaiser nos âmes, mais... C'est vrai que c'est beau. Toute cette ville est belle. Et ses habitants sont fantastiques. C'est pour ça que je veux les protéger. Allez, on va au grand temple. En s'y mettant tous, on y arrivera sûrement. En fait, justement, avec ce petit passage de Didan, qui a toujours été mis un petit peu en retrait, justement, sur le thème de la vie, de la mort, en fait, il profite de l'instant présent. En fait, il dit, la ville de Clara, elle est belle, blablabla, etc. Il profite et il veut protéger justement. Cloud ou Squall, ils auraient dit si vous savez pas vous défendre, tant pis pour vous. Vous êtes qu'un être faible si vous n'êtes pas capable de savoir se défendre tout seul, quoi, exactement. Alors que Jidan, il fait non, on va tous y arriver. Le pouvoir de l'amitié.
Y a que ça comme survivant. Où est le grand prêtre? Où est le roi de Blue Messia? Où il est, papa? Ouais. Ils sont peut-être tous à l'intérieur. Allez, tous dans le grand temple. Encore eux. Ah, là aussi. On est encerclé. Tué. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'en est fini d'être fauteur de troubles. Tant que Malan sera de ce monde, nul ne dérobera cette terre. Face à ma lance, vous ne valez guère mieux qu'une feuille. Plutôt triangulé. C'est clair. Tiens, prenez ça. Wata. Fuyez, vite. Franchement, ce perso, trop classe. Voilà. Il paye pas de mine. Mais, comme ça. En fait, il faut pas grand chose. Tu mets un héros, tu mets une situation... Enfin, pas dramatique, mais urgente, au fait. Tu mets une urgence dans une situation. Bam! Hop, la situation, elle est bloquée. Ils sont triangulés, tu vois, par exemple. Et là, tu mets un héros venu de nulle part. Tintintin, je suis Superman. Tintintin, mais j'ai une lance. Une lance rouge, comme mon slip. excusez-moi, je partais encore un peu en cacahuète. Je te connais pas, mais je suis content de te voir. Lui, il est du genre à poser dans les magazines coquins. Maître Fratley, eh oui! Si vous l'avez pas reconnu, c'était Maître Fratley, l'amour perdu de Freya. Et j'adore ce thème qui est vraiment mélancolique. Enfin, j'adore tous les thèmes, hein. Je vais à chaque fois dire « j'adore ce thème ». Mais j'aime... Enfin, franchement, pour moi, les meilleurs OST, c'est le 8 et le 9, et surtout le 9, quoi. Ils sont vraiment très... ce que je disais, ce que j'ai déjà dit, je me répéterai encore et encore, c'est que contrairement au 8 ou même au 7, Nobuo Uematsu, dans son travail, il n'a pas simplement fait du travail de thème de personnage, il a fait des thèmes de situation. Donc là, on est dans une situation un peu mélancolique, et là, du coup, vous avez cette musique-là. Tout à l'heure, on avait une musique un peu... urgence, un peu dramatique, dans le sens où il y a un danger. Il y avait une autre musique qui était vraiment bien collée. Et c'est comme ça tout le long dans ce Final Fantasy IX. Et c'est pour ça que pour moi, c'est... comme disait Sakaguchi, hein, et j'ai... mine de rien, j'ai... vu que j'ai commencé par ce Final Fantasy-là, Sakaguchi, lui, disait que c'était le Final Fantasy qui se rapprochait le plus de sa vision de ce que devrait être un Final Fantasy. Et moi, vu que j'ai commencé par celui-là, j'ai toujours cru qu'un Final Fantasy serait comme ça. Et bien évidemment que non, ça a évolué. Et vu que j'ai joué aux précédentes opus avec le 7 et le 8, ce n'était pas forcément le cas. Mais du coup, oui, pour moi, un FF, ça doit être comme ça. Mine de rien. Sakaguchi m'a donné la voix. Ouah, Sakaguchi. Je suis heureuse de vous revoir. Peu après votre départ, j'ai quitté Blue Messia pour aller à votre recherche. Vous aviez déjà traversé tant de rivières et franchi tant de montagnes. Dans quel royaume étiez-vous arrivé? Maître Fratley, j'ai traversé 1000 rivières et franchi 1000 montagnes pour vérifier des rumeurs racontant votre victoire sur tel ou tel champion. Mais merci, je n'ai pas pu vous retrouver. Quant à la dernière rumeur vous concernant, je veux l'oublier. Pourquoi tu parlais d'un Sakaguchi? Non, c'est pas les sacs à main là qui valent une fortune juste pour un logo. Freya, c'est pour moi la première fois que nous rencontrons. Et là, le twist. Que dites-vous? Pardonnez-moi, mais je n'ai aucun souvenir de vous. Cette plaisanterie n'est pas amusante. Êtes-vous en train de me dire que vous m'avez oublié, moi, Freya? C'est moi, Freya, Freya de Blue Messia. Et là, maintenant, vous commencez à ressentir ce que... via la musique et via le gros twist avec Maître Fratley,
Maintenant, vous êtes attaché à Freya, obligé, quoi. Pardonnez-moi, mais c'est impossible. Hé, hey, 2 minutes! Comment tu la connais pas? Comment ça, tu la connais pas, pardon? C'est Freya, celle que t'aimes! Essaie de te souvenir, fais un effort, je sais pas. Hé, hey, dis quelque chose, au moins. Dis Dan, ça suffit. Comment ça, ça suffit? Celui-là que t'aimes et que t'as cherché partout est là. Fratley, vous souvenez-vous de moi? Je suis le roi de Blue Messia. Je me souviens de rien. Auriez-vous donc oublié tout votre passé? Mais alors, pourquoi êtes-vous venu à Clara? Ne serait-ce pas parce que vous saviez que nos frères de Clara étaient en danger? Eh bien... Je vais vous expliquer. Ah, c'est Puck! Eh oui, c'est mon copain Puck! J'ai retrouvé Fratley en parcourant le monde. D'abord, il m'a pas reconnu. Il savait même plus qui il était. Mais quand il a su qu'on avait attaqué Blue Messia et que le Clara était en danger, ses derniers souvenirs de Chevalier Dragon l'ont rappelé ici. Chevalier Dragon. Oui, j'étais un Chevalier Dragon. C'est tout ce dont je me souviens. Maître Fratley. Permettez-moi de me retirer. Tu peux. Allez hop. Le saut de 3000 mètres de hauteur. En fait, quand tu réfléchis bien, ce roi est tellement oubliable qu'on le reconnaît pas parce qu'il est roi. Ah oui, non mais au fait, le roi, il a pas beaucoup de... Le roi de Blue Messia est très... très mis de côté. Hein. Là, pour l'instant, c'est vraiment l'élément central, c'est Freya, tout simplement. C'est un élément, en fait, si tu veux. C'est le roi. En fait, si tu veux, t'as les trois royaumes. Tu as Blue Messia, Lindblum... Et Branette, il fallait faire un roi, ils ont fait le design de ce roi-là, c'est tout. Maître Fratley est vivant, mais je suis pas plus heureuse. Excuse-moi, Freya. Je voulais pas que tu le revoies, mais il fallait sauver Clara. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Je vais chercher Fratley. Salut. Puck, attends, il y a si longtemps que nous sommes pas vus. C'est pas Puck qui... Qu'est-ce que vous avez? Mais Freya, tu pleures? Ah, salut, prof. À chaque fois, j'ai du mal à lire ton pseudo. Excusez-moi. Prof Pi. Ça va bien? Tranquille? Il y a un petit peu... Il y a eu du monde, là. Là, du coup, là, j'arrive à peu près sur les 3 heures de... sur les 3 heures de stream. Et voilà. Et bienvenue à toi dans ce petit live sur Final Fantasy IX. Et comme tu peux le voir, ce n'est pas bon enfant. C'est une situation plutôt tragique parce que Freya, le chevalier dragon que tu viens de voir, enfin que tu vois en face, vient de se rendre compte que l'homme qu'elle recherchait est en fait amnésique. Et du coup, elle a perdu 5 ans de sa vie à rechercher un amnésique. Et du coup, elle est triste. Je n'avais jamais imaginé que... L'homme que je rêvais de retrouver m'aurait totalement oublié. Didan, nous sommes assez reposés. L'ennemi nous attend. Il est temps de redresser la situation. Freya. Ah! Non, en fait, je spoil absolument pas. En fait, je fais un résumé de à partir du moment là où je me trouve. S'il y a des événements qui se sont passés avant, j'en parle ouvertement pour aller vérifier... Bah justement dans les VO, dans les VOD sur YouTube. Et ce qui se passe après, j'en parle vraiment le moment venu. Ou alors je fais genre mine, hey, il va pas se passer ça ou un truc comme ça. Épargnez au moins ma vie. Misérable rat. Vous n'êtes pas digne de posséder cette perle. Hop là. Pas la pierre. Maintenant qu'elle est à moi, plus rien ne me retient ici. Elle est partie par là. Tiens, je te la donne. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, je te la donne. Carte 4X. Merde, je peux pas parler à la maman, là? Non, je crois que la maman, elle me donne un truc aussi. Non, bon, bah, tant pis.
Tenez, prenez ça. Au fait, c'est toutes les personnes que j'ai sauvées et du coup, elles me donnent des objets qui vont m'aider à... normalement, attendez, j'ai pas un truc là ? Ah ok, j'ai loupé un truc avant, bon c'est pas grave. J'ai pensé à toi, il y a une grosse rumeur des débuts du fils de Rey Mysterio à la VVE. ouais mais ça fait un moment déjà qu'ils l'ont utilisé son fils. Et puis ça m'étonnerait pas vu... Ah mince, j'ai pas sauvegardé. Je suis un peu dans le caca. Ah tu as peur? Peur? Tu as bien dit que j'avais peur. Oui, du coup, bah, c'est Rey Mysterio, il avait son oncle, etc. En fait, c'est pas son père, Rey Mysterio Senior, c'était son oncle. Et lui, il catchait sous le nom de Colibri, je crois, à l'époque. Et pareil, il vient d'une famille de catcheurs, enfin, de lucha libre. Donc ça m'étonnerait pas que le fils de Rey Mysterio se lance aussi dans le catch, quoi. Et je suis sûr qu'il en fait déjà au Mexique. Aurais-tu oublié votre défaite de Blue Messia? Comment? Tu vas regretter de ne pas nous avoir achevé. Je te pardonnerai pas non plus. T'auras pas de mon super gâteau au sable doux de Cléra, miam. C'est le truc qui a rien à voir. Bien, faisons comme il vous plaira. Du coup, qu'est-ce qu'elle a cette fois-ci? Elle a un autre une. Oui, non, mais au fait, si tu veux, mais tu sais qu'à la WC, excusez-moi, je fais une petite parenthèse catch, à la WCW, en fait, Rey Mysterio, il avait perdu son masque, voilà, bref. Mais sauf que, tu vois, au Mexique, ils ont une règle, à partir du moment où tu enlèves ton masque, tu ne peux plus catcher avec. Sauf que comme ça ne s'est pas déroulé au Mexique, dans les règles voulues, genre match, max, masque contre masque, il a pu remettre son masque de Rey Mysterio. Donc voilà, pour la petite anecdote. Quina. Je vais donner un... Bon, de toute façon... Allez, hop, choc, allez, hop, direct. Bam, bon, on va ressusciter Freya, hein. Merde, j'ai pas pris la bonne touche. Bon, c'est pas grave. Je fais des bêtises. Encore une fois. J'ai volé un René. Mistral gagnant. On va prendre l'épée. Et voilà. J'ai volé un Thor. Il me reste plus qu'un seul truc à avoir. Non, Quina, ne meurs pas. Je vais te ressusciter. Un René. J'aime bien un René. Ils auraient pu appeler ça une plume de phénix comme dans tous les FF quoi. C'est incroyable. Allez, vole-moi le truc là. Bibi! Non! En fait, ça sert à rien de l'attaquer. Tout simplement parce que ici, peu importe. Vous allez comprendre pourquoi. Oula, je crois que je vais mourir. Hein. Hey, il me one shot. Mm-hmm.
Oh là 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 là. Allez, tu vas me le voler là, ce dernier objet là. J'ai pas que ça à faire moi. Vol raté. Et voilà, bon bah tant pis. Parce qu'en fait, si vous voulez, au bout d'un moment, la Namar a fait « Donnez-moi les perles !» Fente. Bam. Allez hop, toute l'équipe à terre. Et je peux rien faire. Ah, c'est joué, je n'ai plus le temps. Elle est forte. Mage noir, nous avons ce que nous voulions. Retirons-nous. Eh oui, la magie. Ils ont disparu. Freya, mais qu'est-ce qu'on fait? Zidane, derrière toi. Allez, je le suis. Traînez pas trop. Ah non, mais... ouais, le thème de Béatrix, c'est encore... C'est pas la... Celui-là, il est bien, c'est pour le moment tragique. Mais c'est juste celui qui vient après... le morceau s'appelle Rose of May, je crois. Je crois que c'est celui-là, hein. Rose of May. Roses of May, une bêtise comme ça, je crois. Et c'est un thème au piano qui est juste excellent. Et vous allez m'entendre encore dire « Hey, mais tu dis encore une fois que c'est un excellent thème !» Bah oui, parce que quasiment tous les thèmes de Nobuo Uematsu dans les FF sont excellents, quoi. C'est peut-être ta dernière chance de découvrir ta vraie nature. Courage, Bibi, allons-y. Et maintenant, Freya. Allez. Oui. J'ai le vertige. Elle se barre, apprends. Elle va pas avec les autres. Eh bien, sans la magie chimérique, Greyna n'est qu'une fillette. Greyna ne peut plus invoquer de chimère. Seul ses Ash et Space est capable d'en invoquer. Avec l'Ash Espace, on saura si ce que disait Kuja est vrai ou non. Allez, Odin, montre-moi ta force. Je vais profiter de la cinématique. Ah, cool. Et oui, la puissance chimérique, au fait c'est tout l'enjeu, donc c'est pour ça que Branett voulait récupérer la princesse Greyna pour lui arracher les chimères, et les utiliser comme armes, et du coup, bah, elle a détruit Clara avec Odin. Et c'est pour ça qu'il y avait tout cet enjeu-là, c'était vraiment dramatique, et là, c'est encore plus dramatique parce que, bah, malgré tous les efforts de notre équipe, Freya, en plus d'avoir perdu Blemessia, a perdu encore son peuple, le peuple de Clara. Et du coup, elle est vraiment... Clara, Puck, Quina, ils ont tous disparu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais. Béatrix, elle est où? Elle doit être à bord, elle aussi. Bon, attendez, est-ce qu'on m'a envoyé un petit truc? Et je vais vous faire partager ceci. Pas changer, dadada. Hop, Alistair. Ah, je l'ai toujours pas reçu.
On verra bien. Freya, Adidan t'appelle. Pourrais-tu me laisser un tranquille un moment? Ouais, t'en fais pas. T'en fais pas, Alissa. Il y a quelqu'un là-haut. Cachons-nous par là. C'est celui-là, en fait. C'est ce thème-là qui est juste énorme pour Béatrix. Dame Béatrix, ce fut un beau combat. Et Sa Majesté. Sa Majesté attend impatiemment votre retour. Sa Majesté vous portera sûrement au nu. Par rapport à votre troupe, les brutasses du capitaine Steiner ne sont qu'une bande de rats. Tu parles un peu trop. Excusez-moi. Dis à Sa Majesté que j'arrive immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa Majesté devrait-elle vraiment détruire toute la ville de Clara? Devait-elle, pardon, excusez-moi. Pourquoi Sa Majesté emploie-t-elle de préférence les mages noirs et les chimères? Aurais-je fait tant d'efforts pour si peu d'honneur? Mage noir, suivez-moi. Vous trois, retournez à Alexandrie par les vasques de téléportation et défendez le château. Et là, en fait, si vous voulez, à un moment, je vous disais que Aldebar Steiner était vraiment très axé. La reine, c'est elle a raison. Il faut pas remettre en question son jugement, ses réflexions et ses ordres. Et là, Béatrix, en plus, le thème renforce encore davantage ses états d'âme. En fait, tous les états d'âme qu'il y a dans ce jeu-là font avancer parallèlement l'histoire. Et on comprend mieux l'enjeu du jeu, tout simplement, l'enjeu de la situation. Est-ce que je vaux pas mieux que ces machines sans âme? Je vaux donc pas mieux que ce trait de Steiner? Hé, vous avez entendu? Il paraît que Brennett est à bord. Et là, je fais encore. Bon, bah voilà, en fait, j'avais rien d'autre à apprendre, donc c'est très bien. J'aime beaucoup ce thème, ce qui fait. Il est très chevaleresque, il est très noble, mais en même temps il a une touche de. Comment dire il est très mélancolique. Chevaleresque, badass, mélancolique. Mélange incroyable. Je ne vois rien. Génial, Béatrix, mais cette voix. Oh, Béatrix! Tu as réussi à la récupérer? Voilà la perle que j'ai l'honneur de chercher pour vous. Bravo, Béatrix! Est-elle belle, tant que je l'aurai? Mais non, il m'en faut encore une. Encore une perle. Pas un mot pour me remercier de mes efforts. Général Béatrix, trouve-moi vite la dernière perle. À vos ordres. Au fait, la princesse Grena est-elle en pleine forme? Grena? Une fois que j'aurai arraché toutes les chimères de son corps, je n'aurai plus besoin d'elle. Que voulez-vous dire? Elle sera exécutée pour le vol de la perle. Mais, Majesté, c'est moi qui décide. Mêle-toi de tes affaires. Dès que je serai arrivé à Alexandrie, Grena serait exécutée sur le champ. Tu n'as qu'à me trouver la dernière perle, vite. Votre Majesté. Oui, au niveau des trades, oui, c'est sûr. Non, mais oui, les... Moi, j'ai toujours grandi avec ça et ça n'a pas évolué, donc je resterai là-dessus. Je suis pas un puriste, je suis pas très...
J'arrive à comprendre l'anglais, j'arrive à le parler, voilà. Mais je suis pas le meilleur, et du coup, ça veut dire qu'il y aurait des trucs qui seraient passés complètement la volée. Quoi ? Daga sera exécuté ? Tu pourras jamais la sauver en te battant à bord. Mais sa vie est en danger, je peux pas laisser faire ça. On doit à tout prix arriver à Alexandrie avant Branet. Comment on va faire ? J'ai une idée, avec ces grands pots. Attends, Bibi, qu'est-ce qui te prend ? Hop, si vous le saviez pas, quand vous revenez là, il y a un Mog. C'est Lino. Donnez la lettre à Célino. Une lettre de Mogton ? Mais ça faisait longtemps, on va la lire ensemble. Quand tu recevras cette lettre, Clara n'existera peut-être plus ici-bas. Je suis avec Steelskin, et il me dit « Pour moi qui me suis sorti de tas de problèmes, deux ou trois incidents de ce genre ne me disent rien. Mais si plus de trois incidents lui arrivaient, comment pourrait-il s'en sortir ?» Ce bruit d'enfer, c'était « Est-ce que Mogton et Steelskin s'en sont bien sortis ?» Ekubo, j'aurais une chose à te demander. Tu peux apporter une lettre à Mogton, s'il te plaît ? Du coup, je vais sauvegarder quand même. Hop. Ah oui. J'enregistre, du coup, j'en profite. Il est 20h10, enfin, il est 20h11. Non, t'as osé. Putain, elle est trop bas, elle est trop... Hop, je suis désolé, je suis obligé de mettre ceci que Alistair vient de m'envoyer. C'est incroyable, c'est la meilleure des images. Ah oui, t'as pensé à tout, ça me fait énormément rire. Ah, mais celle-ci, elle est collector. Ce que je vais vous montrer là, c'est collector. Elle est où celle-ci? Et voilà, voilà comment m'a dessiné. Voilà comment m'a dessiné mon ami Alistair, numéro 7, en version Daga. Mais franchement, faut voir si on peut pas faire un émoticône de ce bousin là. Vous savez quoi? Et eh ben, je vais le laisser. Hop. Je vais le mettre en bas à droite. Voilà. Bam. Voilà, on va le laisser là. Est-ce qu'il est assez gros? Voilà. On va le mettre comme ça, on va bien le bouger. On va pouvoir même le mettre plus gros. Voilà. Comme ça, c'est vraiment perfect. Ah, mais ce truc, quoi. Perfect. Voilà. Là, comme ça, c'est impeccable. C'est vraiment impeccable. C'est le plus beau. Et au fait, si tu veux, t'auras qu'à me dessiner dans tous les personnages, tu sais, de Doskoï façon Jidan, Doskoï façon Bibi, etc. Et je les mettrai tous sur les côtés, si tu veux.
Non mais j'en reviens pas quoi. C'est vraiment parfait. On peut quand même, je sais pas, dites un grand merci à Lister qui nous offre quand même du contenu et des fanarts de qualité. C'est vraiment très chouette. Franchement, c'est juste... Ouais, un par stream si tu veux. Ah mais ouais, on peut l'applaudir. Je sais pas si t'as des pages... Vas-y, balance ta pub, balance ta com sur le commentaire. Facebook, Twitter, Insta, je sais pas ce que t'as. Si tu fais... si tu as tout ça... Ah, c'est dommage, parce que tu mériterais d'avoir... De la visibilité. Bon, après ce... Bibi a quelque chose à te dire. Ah, je sais pas, il se fait quand même un peu tard. Moi, j'ai ma chérie qui va quand même pas tarder à rentrer. Et après, elle va me dire, ouais, mais tu streams encore, nanani nanana. Du coup, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est plutôt pas mal, parce que ce qui va s'en suivre ensuite, c'est vraiment très action. Très action, ça va prendre un peu de temps pour tout finir. Pour finir le chapitre suivant. Donc, je vais prendre la décision de m'arrêter là. Encore un gros merci à Alistair. Attends, je vais le mettre en gros pour l'instant. Hop. Mince. Hop. Voilà. Hop, on va le bouger, on va le mettre là, tu vois, et on va le mettre en gros, en plein écran. Oui, c'est moi, 12 couilles. Les 12 couilles de midi. Voilà. On va le mettre en gros, là, comme ça. Comme ça, vous pourrez profiter... de ce magnifique quand le prochain live, bah, ce sera dimanche du coup, donc tu as quelques jours pour vachement bien avancer. Moi je travaille demain, je vais pas streamer demain, peut-être samedi, je sais pas, dans l'après-midi, je sais pas ce qu'il y a, faut que je regarde le mais ce sera pas sur du Final Fantasy 9, ce sera vraiment en mode samedi y a rien. Samedi, il n'y a rien, donc je vais forcément peut-être un peu streamer en mode freestyle. Mais ouais, franchement, merci à vous, ça me fait plaisir d'avoir partagé du coup cet épisode vraiment dramatique sur la fin de Clara, du coup. Hop. Et puis, bah, on va se retrouver dimanche pour la suite de mes aventures. Et peut-être un stream freestyle sur un jeu de mon enfance. Sur un jeu avec lequel j'ai grandi. Putain, mais quand je regarde cette image, quoi. C'est vraiment le must du must, quoi. Bah, moi, je vous remercie. Et puis, je vais vous dire, bah, du coup, à dimanche. Comme d'habitude, je vais essayer de demander, voir si vous pouvez pas partager les streams, etc. sur vos réseaux sociaux. Pour qu'on ait un peu plus de visibilité et que peut-être au fur et à mesure on a un peu plus de monde sur ce chat et qu'on parle en tout cas pour cette émission entre fans de Final Fantasy, parce que je vais faire à partir du moment où j'aurai fini Final Fantasy 9, je vais faire d'autres FF tout simplement et des découvertes FF aussi, enfin bref, on verra bien sur la suite. Et moi, il faut absolument que je retourne sur Instagram, parce que je sais que sur Instagram, je dois avoir 500, 600 ou 400 followers. Et si je pouvais avoir ne serait-ce qu'une petite dizaine de personnes, ce serait vachement chouette. En plus. Donc du coup, ça ferait un peu plus vivre la chaîne imagivienne, la chaîne Twitch imagivienne, et oui, regardez. Et puis, bah, moi, je vais pas streamer demain, parce que demain après-midi, je vais aller retourner à la salle de muscu, on va reprendre un petit peu les biscottos. Donc, voilà. Bon, sur ce, bah, moi, je vous remercie encore une fois. Merci à Lister encore pour ce merveilleux Doskoï Daga, quoi, Cross Daga. Moi, je vous dis à dimanche.
Et comme d'habitude, oubliez pas de vous renseigner, de follow la chaîne Imagivienne, blablabla, bla, vous connaissez la musique. Ce truc. Bon, allez. Bah du coup, à dimanche. Et retrouvez du coup Mel Léo pour sa nouvelle émission demain avec plein de surprises. Et oui, Mélancolia, je crois, ça s'appelle. Si je dis pas de bêtises. Bon, allez, sur ce, des bisous. Et je reviens pas de ce fan art. je crois que je vais le mettre en vignette. Hein. Ah, je vais. Faut que je fasse cette vignette de l'épisode 4 et faut que je mette ça, hein, c'est sûr. Hein. Enfin bref, bon allez sur ce, des bisous, puis à dimanche, prenez soin de vous et à bientôt.